Jacques Le Goff, pourrait-on parler d'abord des grands-mères de Mélusine, si j'ose dire, c'est-à-dire des textes latins où apparaissent déjà des figures féminines qui lui ressemblent? Oui, je crois que celle qui prendra pour nom, à qui on donnera pour nom Mélusine au XIIIe siècle, très probablement, est déjà annoncée par des personnages qui ont ces caractères essentiels. Ce sont des textes latins, en général, du XIIe, début XIIIe siècle, mais au moins pour l'un d'entre eux, on a pu dater les éléments fondamentaux de l'histoire du IXe siècle. Il y a donc quelque chose qui remonte loin, et ça n'a rien d'étonnant, parce que le personnage de Mélusine, qui a été christianisé d'une certaine façon dans ces textes, vient sans aucun doute d'une vieille légende et même un vieux mythe, pourrait-on dire, païen, qui remonte à très loin. Et alors justement, dans ces textes latins, comment apparaissent les figures féminines? Alors, en gros, le schéma est toujours le même. Une femme qui appartient au monde surnaturel, que l'on peut qualifier et qui, au bout d'un certain temps, sera qualifié dans les textes de fée. C'est une fée, dont on ne sait pas très bien au début si c'est une bonne ou une mauvaise fée. Rencontre un chrétien, rencontre un jeune homme, qui est en général appartient à une classe sociale élevée, disons un noble. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, ils se marient, les choses se passent très bien pendant longtemps, cette union est une union à tous égards fructueuse, réussie, mais des signes inquiétants pousse le mari à en savoir davantage sur l'origine et la nature de sa femme. Et à ce moment-là, il s'aperçoit que sa femme se transforme en secret, en général une fois par semaine. Nous avons là le cadre de la semaine qui est celui de la liturgie chrétienne, se transforme en serpent ou en dragon. Le plus souvent en serpent ou dragon aquatique, car c'est en général au cours d'un bain que se produit la transformation. Le mari qui a le plus souvent juré à son épouse, en l'épousant, qu'il ne cherchera pas à connaître le secret dont il sait qu'elle le possède, trahit son serment, et à ce moment-là, la femme fée reprend son apparence de fée et disparaît, et sa disparition s'accompagne en général de la destruction au moins partielle de tout le bien qu'elle a fait pendant la période du mariage heureux. Jacques Le Goff, les auteurs de ces deux versions manuscrites de la fin du XIIe siècle, Gauthier Mapp et Gervais de Tilbury qui racontent l'histoire de Raymond du Château-Rousset, étaient directement liés, je crois, à la cour d'Angleterre et à Henri II Plantagenet. Oui, les premiers textes sont l'œuvre d'un cistercien qui était en même temps un homme de cour, qui appartenait à l'entourage du roi Henri II, roi qui a beaucoup favorisé les clercs qui ont recueilli ces histoires surnaturelles. C'est une cour ouverte au folklore. C'est une cour ouverte au monde de l'au-delà, ce qui est d'ailleurs une caractéristique de cette période, de la fin du XIIe siècle, mais qui apparaît vraiment en pleine lumière, correspondant visiblement au goût du roi et de la plupart des seigneurs qui fréquentent sa cour. Je ne dirais pas anglais, parce que c'est une cour anglo-normande, et Mélusine, qui va gagner toute l'Europe.
telle qu'elle apparaît dans les premiers textes, est un personnage qui se manifeste de la Provence à l'Angleterre, avec une prédilection, si j'ose dire, pour le domaine anglo-normand. Un autre lieu où elle est à l'évidence bien reçue, c'est la France méridionale, la vallée du Rhône, la Provence. Ce sont deux textes, les deux premiers textes, qui sont donc écrits par ce cistercien anglais, Gautier Mapp, qui raconte donc cette histoire du mariage heureux puis malheureux. Mais je crois que pour le développement du mythe de Mélusine et son historicisation, si je peux dire, les textes qui ont joué au Moyen-Âge le rôle le plus important et qui, pour les historiens d'aujourd'hui, sont les plus significatifs, sont ceux qui concernent la vallée du Rhône et la Provence. Parce que on y voit souvent, sans beaucoup de détails, l'essentiel de l'histoire, et en particulier la façon dont le processus de christianisation amène au drame. Comment repère-t-on les choses? Il y a deux lieux plus particuliers où la légende de Mélusine se forme puis se diffuse. L'un, donc, vallée du Rhône, c'est un château, dit château de l'Espervert, terme dont on ne sait pas très bien la signification, ça ne semble pas être l'épervier, près de Valence. Et l'autre histoire se passe dans les environs d'Aix-en-Provence. Alors, que se passe-t-il dans le château de l'Espervert? La fée épouse inquiète son époux parce que elle n'arrive jamais au début de la messe, à un moment où il y a la bénédiction initiale du prêtre, et elle part avant la consécration de l'hostie et la bénédiction finale. Le mari se demande ce qui se passe, l'épie, et s'aperçoit que le samedi, jour intéressant parce qu'il y a visiblement un arrière-plan calendaire cher aux folkloristes. Et on le retrouvera d'ailleurs dans les versions de Mélusine plus tardives. Dans les versions des Mélusines plus tardives, eh bien, il s'aperçoit que dans une chambre close, cette épouse prend son bain dans un grand baquet et que là-dedans, elle se transforme en serpent et qu'elle prend un bain sous cette forme. Et l'histoire appelée encore à un plus grand succès qui se passe dans les environs d'Aix-en-Provence, c'est l'histoire d'un chevalier, le chevalier Raymondin, qui va à la chasse. Et qui rencontre près d'une source ou d'une rivière, le thème aquatique est toujours très très présent, c'est une mythologie aquatique qui est là derrière, il rencontre donc cette belle jeune femme, comme dans les romans courtois, une idylle immédiatement s'ébauche, qui donne lieu à un mariage. Alors là, on voit très explicitement le serment que fait Raymondin. Nous avons des détails qui nous permettent de caractériser celle qui va s'appeler bientôt Mélusine dans sa conduite à l'intérieur du couple qu'elle forme avec Raymondin. Elle est tout à fait passionnée d'exploitation économique, je dirais. Parce que, d'une part, et parfois elle le fait elle-même, tout en le faisant faire à d'autres,
elle défriche des forêts, et nous sommes dans la période des grands défrichements, en effet, et elle construit des châteaux et des villes, et nous sommes dans une grande phase d'urbanisation et de construction de châteaux. C'est-à-dire XIIe, XIIIe siècle ? XIIe, XIIIe siècle. C'est ce qui a fait que nous l'avons donc appelée maternelle et défricheuse. On parce pourrait que, rajouter bâtisseuse. Et bâtisseuse, car j'ai oublié de dire qu'un autre signe de sa fécondité, c'est une fée du grand essor économique de la chrétienté, c'est de donner de nombreux enfants, une belle progéniture à son mari. Alors là, des fils plus que des filles. Des fils plus que des filles. Le problème étant le problème de la continuité du lignage. Et là se passe la scène dramatique. D'abord la façon dont Raymondin, le curieux, trahissant son serment, épiant sa femme par le trou de la serrure, si j'ose dire, bien que nous n'ayons pas ce détail, voit aussi que, comme la dame du château de l'Espérouère, sa femme le samedi se transforme en dragonne d'eau. Elle disparaît ces dernières manifestations, qui sont des manifestations récurrentes, sont surtout liées à ses enfants. Ce qui donne un certain caractère dramatique, je dirais presque sentimental. Nous sommes passés de l'amour courtois dans l'épisode de la rencontre et du mariage à Raymondin la manifestation de l'amour maternel. Elle est donc maternelle, non seulement parce qu'elle fait beaucoup d'enfants, mais parce que c'est ce qui continue à la rattacher à la terre et à sa famille. Et certaines nuits, on l'entend revenir sous forme de dragonne, en volant, pour aller voir ses enfants pendant leur sommeil. Voilà en gros le schéma, et puis se produit, et d'une façon dont malheureusement nous ne pouvons pas précisément dater, et dont nous ne savons pas précisément le processus, elle apparaît à la fin du siècle avec un nom. Elle s'appelle Mélusine, et elle s'appelle Mélusine parce que nous sommes dans une période, 12e, 13e, où beaucoup de familles nobles cherchent à se donner une origine surnaturelle. Ça fait partie, si j'ose dire, du prestige nobiliaire. Et chose curieuse, et pas très bien explicitée, ni par les folkloristes, ni par les historiens, cette origine surnaturelle est une origine en partie diabolique. Parce que il y a au début du lignage une héroïne, une mère ancestrale qui est en fait une démone. Ce qui fait planer sur ces lignages un certain caractère démoniaque qui n'enlève rien, au contraire, au prestige qu'ont ces lignages dans la société chrétienne. Et il y a un cas qui est tout à fait éclatant et qui nous ramène vers la cour d'Angleterre. Henri II, c'est un Plantagenet et le lignage des Plantagenets se réclame d'une de ses ancêtres qui aurait été comtesse d'Anjou au début du XIe siècle et qui était elle-même une démone. Or, relations dans la famille des Plantagenets sont des relations terribles, shakespeariennes. Les fils entre eux, les fils contre le père, Richard Cœur de Lion, Jean Santerre, se soulèvent constamment au milieu de drames politiques et familiaux. C'est une phrase qui a été rapportée par un témoin de l'entourage des Plantagenets, quand on dit à Richard Cœur de Lion, mais enfin, qu'est-ce que vous avez à être aussi brutaux, aussi méchants. Il dit, mais comment voulez-vous que nous fassions? Nous sommes les fils de la démone. Vous voyez, il y a toute une dimension même politique. Alors, visiblement, ça, malheureusement, notre documentation est
très insuffisant, très lacunaire. Visiblement, il y a un certain nombre de lignages en ascension sociale, et qui ont cherché à se donner précisément une de ces ancêtres prestigieuses qui s'impose et qui donne son nom à la fée Démone. C'est la grande famille limousine des Lusignan. Et on peut le dire peut-être tout de suite, parce que ça montre encore jusqu'où ira l'ombre de Mélusine. Ces Lusignan, comme on sait, vont devenir rois de Chypre. Et ils vont transporter en Orient le mythe de Mélusine, et il va se développer jusqu'à la fin du Moyen-Âge, à travers Mélusine et les Lusignan, toute une série de rapports politiques, symboliques, métaphysiques, on pourrait presque dire, entre l'Orient et l'Occident, à travers cette fée. Quel est le rapport philologique? C'est que on donne à cette fée le nom de Mère des Lusignan, Mère Lusigne. Et Mère Lusine, ça donne, par ces transformations que la philologie fait volontiers, Mélusine. Que devient Mélusine Jacques Le Goff dans le roman de Jean d'Arras en 1393, puis dans celui de Coudrette quelques années plus tard? Est-ce que vous pensez que les nombreux exploits des fils de Mélusine, partis combattre les infidèles en Europe et en Orient, permettent de considérer qu'elle est en quelque sorte la fée de la chrétienté et de l'idéal des croisades? Coudrette raconte surtout, plus que l'histoire de Mélusine, de ses parents, de sa vie, les exploits souvent très diaboliques des dix fils de Mélusine, le père étant le Raymondin qu'on a déjà trouvé dans le conte du début du XIIIe siècle. Et ces dix fils manifestent chacun par un signe physique leur origine diabolique à travers leur mère. Il y en a un, par exemple, qui a une grande dent, il y en a un autre qui boite, il y en a un autre qui n'a qu'un œil, etc. Ce sont plus ou moins des monstres. Avec un rapprochement avec le monde animal, souvent. Parce que oui. Geoffroy la grande dent ressemble peut-être à un sanglier. Il y en a un qui a une patte velue sur la joue. Vous savez, je crois véritablement que cette histoire, qui est très significative du monde féodal et de son évolution, renvoie aussi au monde du blason, au monde des armoiries, et à ces relations entre le monde animal et le monde humain, qui est très présent dans ces armoiries. Mélusine se rattache d'une certaine façon à un thème encore plus diffus, encore plus important, et qui a connu son apogée à travers le personnage de Merlin l'Enchanteur, qui est la présence à laquelle croyait une grande partie des chrétiens du Moyen-Âge, de démons parmi les hommes, et en particulier de la façon dont ces démons, à la fois par luxure et pour perdre du point de vue pour faire se damner les mortels, séduisaient belles mortelles. Ces démons, il y a des démons incubes et des démons succubes, suivant la position où se fait l'union sexuelle entre le démon et la femme, sont surtout des démons succubes, ce qui montre encore plus que caractère diabolique, puisque il procrée dans une position qui est tout à fait condamnée par l'Église, et ils produisent donc des êtres qui sont à la fois doués de pouvoirs spéciaux, qui sont Merlin l'Enchanteur, qui est le plus célèbre produit d'une union de ce genre, mais
qui en même temps ont un côté destructeur et mauvais. Et il arrive souvent que, dans l'histoire de Mélusine, ce côté négatif, disons, apparaisse, soit, comme dans le cas de Mélusine, à travers l'aspect physique de ses fils et le comportement de certains d'entre eux. Ça apparaît aussi souvent par le fait que les bienfaits que Mélusine a apportés, justement à travers une progéniture abondante, à travers un essor de construction, de défrichement, est en partie détruit. Que les champs retournent à l'état sauvage, que les châteaux s'écroulent. Que les abbayes soient brûlées. Que les abbayes soient brûlées. Alors là, nous culminons là, dans le mal. Et ceci a certainement, je ne suis pas un historien omnubilé par l'historicisme. C'est-à-dire, je ne veux pas tout expliquer par l'évolution historique précise, par les événements. Je crois qu'il y a dans l'histoire un irrationnel qui n'est pas absolument lié à cette évolution. C'est pour ça que je me suis intéressé beaucoup à l'histoire de l'imaginaire. Mais il faut quand même dire qu'il est saisissant que l'histoire de Mélusine commence par une sorte d'incarnation de l'essor, de la prospérité de la société médiévale, et ensuite entre en crise. La crise, qui est la crise du XIVe siècle, avec les guerres, les épidémies, les destructions. Alors, à l'intérieur de cette nouvelle atmosphère, l'histoire de Mélusine connaît un véritable tournant. Ce tournant, alors, peut être rattaché à l'histoire non plus matérielle, économique, mais à l'histoire de l'imaginaire. Et je crois que ceci est aussi passionnant dans cette histoire parce que elle met en cause tous les aspects de l'histoire des sociétés, depuis les éléments les plus matériels jusqu'aux éléments les plus immatériels, les plus imaginaires. Depuis la dernière croisade de Saint-Louis, qui finit tragiquement, en particulier par la mort du roi en 1270, l'Occident n'est plus capable, la chrétienté occidentale n'est plus capable d'entreprendre des croisades. Mais elle ne cesse d'y penser. La croisade vraiment envahit l'imaginaire de la chrétienté et cela durera longtemps. Et même, il y a une, en quelque sorte, cet imaginaire s'enflamme à la fin du XIVe et du XVe siècle. Un certain nombre de chevaliers chrétiens font une sorte d'expédition qui n'est plus à proprement parler une croisade et rencontrent un échec terrible à Nicopolis à la fin du XIVe siècle. Mélusine, qui a été la fée de la croisade dans son essor démographique, dans son essor économique, puis dans les calamités du XIVe siècle, finit comme une fée de la chrétienté rêvant de la reprise de la croisade et de la reconquête de cette terre sainte que la chrétienté réelle n'a pas réussi à récupérer. Mais paraît fort petit à faire chance.
Les ancêtres des fées, ce sont les parques de la mythologie gréco-latine que l'on appelait aussi les fata, c'est-à-dire les déesses du destin. D'ailleurs, fata a donné le mot fée, et pendant longtemps, la principale fonction des fées a été de présider au destin des hommes et d'être des fées marraines. Mais au Moyen-Âge, avec Mélusine, la mère des Lusignans, et tout particulièrement dans les romans de Jean d'Arras puis de Coudrette au début du XVe siècle, une nouvelle image de la fée se superpose à la précédente, celle de la fée amoureuse et amante. À l'occasion d'un colloque organisé par Jeanne-Marie Boivin, qui vient de se tenir à Paris sur le thème « Mélusine continentale et insulaire », j'ai rencontré Laurence Arflankner, avec qui j'ai évoqué le premier rendez-vous entre le chevalier et la fée auprès de la fontaine de Soif-Jolie. Prémondin va rencontrer Mélusine dans des circonstances absolument dramatiques, puisque donc il est à la chasse avec son oncle, le comte de Poitou, et le comte de Poitou, qui est un savant astrologue, voit dans les astres que si, à ce moment-là, un vassal tuait son suzerain, il serait destiné à devenir le fondateur d'un puissant lignage. Oui, parce que ça se passe de nuit, voilà. À la pleine lune aussi. Et surtout au cours d'une chasse aux sangliers. Au cours d'une chasse aux sangliers, et c'est alors donc que donc surgit la bête, le sanglier, qui est une bête absolument prodigieuse, qui à l'évidence est une bête féerique, et qui va faire s'accomplir le destin. Parce que le sanglier va attaquer le comte, Raymondin va vouloir défendre son oncle, et en fait, au lieu de tuer le sanglier, il tue son oncle, il accomplit le destin. Et à ce moment-là, il s'enfonce dans la forêt absolument désespéré, et c'est là qu'il va rencontrer, donc près d'une source, trois belles dames, dont l'une va s'adresser à lui dans sa grande détresse, le rassurer et lui offrir son amour. C'est la rencontre de Raymondin et de Mélusine. Alors, est-ce que déjà, à ce moment-là, Mélusine apparaît comme un être féerique? Est-ce qu'elle a déjà des attributs qui permettent de le deviner? C'est tout le problème des fées dans la littérature médiévale. En fait, elles sont extrêmement, disons, humanisées. Ce qu'elle a de féerique, disons, c'est par hyperbole. Elle est plus belle que les autres femmes. Elle est aussi donc une dame blanche. Elle est vêtue de blanc et le blanc est l'indice de la féerie au Moyen Âge. Et surtout, ce qu'elle a, c'est une connaissance en fait que ne possèdent pas évidemment les autres femmes, puisque elle va aussitôt s'adresser à Raymondin par son nom, lui dire qu'elle sait tout de lui, qu'elle sait qu'il vient de tuer son seigneur, et à ce moment-là, lui proposer donc de devenir sa femme à certaines conditions. Alors, dame blanche, dame du lac aussi peut-être, est-ce qu'on peut revenir sur ces rapprochements en pensant peut-être à d'autres récits que celui de Mélusine ? Oui, il y a à l'évidence un lien avec l'eau. Et ce n'est pas parce que donc Mélusine se transforme en serpente qu'il n'y a pas pour autant un lien avec l'eau, puisque c'est dans l'eau de son bain qu'elle se transformera en serpente. Et visiblement, dans l'imaginaire médiéval, il y a là une sorte de rencontre entre la serpente et la sirène. Et dans certains des manuscrits des romans de Mélusine, où il y a des enluminures magnifiques, Mélusine est représentée comme une sirène. Donc elle se relie à la fois aux déesses de la terre par sa forme serpentine, mais aussi elle a un lien avec donc les déesses aquatiques. Est-ce qu'on peut penser aussi à la dame du lac du cycle de Lancelot par exemple, mais aussi à Morgane, autre fée qui apparaît donc dans les romans des chevaliers de la Table Ronde? Oui, on peut faire le rapprochement surtout avec la dame du lac, dans la mesure où ce sont deux figures essentiellement bénéfiques, qui vont en fait faire la fortune, faire le bonheur d'un chevalier. La différence, c'est que la dame du lac est une figure essentiellement maternelle et que le romancier du Lancelot a d'une certaine façon esquivé la liaison amoureuse entre le chevalier et la fée, puisque Lancelot, c'est l'amant de la reine Guenièvre. Donc c'était difficile, évidemment, d'en faire l'amant de la dame du lac. Mais sinon, en ce qui concerne l'action de la fée sur le héros, elle est très proche. Et de la même façon, donc la dame du lac, Mélusine, seront porteuses d'un idéal chevaleresque
qu'elles essaieront d'inculquer donc au héros et Mélusine plus tard à ses fils, puisqu'elle aura 10 fils. Oui, quelle sorte d'idéal chevaleresque? Ah, un idéal chevaleresque qui est vraiment celui du Moyen-Âge. Dans le cas de la Dame du Lac, elle explique donc à Lancelot que le chevalier est le serviteur de l'Église et des valeurs de la chrétienté. Et on voit par là comment les romanciers, dans la mesure où ils voulaient présenter la fée comme une figure bénéfique, en font une bonne chrétienne. Et Mélusine aussi sera une bonne chrétienne et construira bon nombre d'églises. Raymondin court chercher son épée. Il sait bien dans quelle pièce sa femme est entrée et s'y rend, alors que jamais il ne s'en était approché. Il voit devant lui une porte de fer. Il réfléchit longuement, mais se disant que sa femme est criminelle et le trahit, il tire son épée du fourreau, la pointe contre la porte. À force de l'enfoncer, il transperce la porte de fer. Il presse son œil contre le trou, regarde à l'intérieur, impatient de connaître le secret. Il regarde et découvre Mélusine au bain. Il la voit jusqu'à la taille, blanche comme la neige sur la branche, bien faite et gracieuse, le visage frais et lisse. Certes, on ne vit jamais plus belle femme, mais son corps se termine par une queue de serpent, énorme et horrible, burlée d'argent et d'azur. Elle l'agite violemment dans l'eau. À ce spectacle, Raymondin, qui jamais ne l'avait vu se baigner sous cette forme, se signe, rempli de frayeur. Il implore le secours de Dieu. Il a si peur qu'il ne peut presque plus parler. Mais afin de boucher le trou, il découpe un petit morceau de tissu qu'il écrase avec de la cire. Il bouche le trou hermétiquement afin d'empêcher quiconque de voir l'intérieur de la pièce. Puis il s'éloigne et rejoint son frère, plein de douleur et de colère. Laurence Arflankner, que peut-on penser de ce texte qui est la première transgression de l'interdit ? C'est un texte tout à fait extraordinaire dans la mesure où ce à quoi on assiste, c'est vraiment une scène de voyeurisme. Et dans les illustrations, c'est particulièrement frappant, on voit donc le héros qui perce un trou dans la paroi pour surprendre ce qu'il ne doit pas voir. D'autre part, la scène même du bain est extrêmement intéressante au plan symbolique parce que Elle se rapproche d'autres scènes donc un peu similaires et les peintres du Moyen-Âge ont fait le rapprochement. Donc Raymondin qui surprend Mélusine nue au bain, d'une certaine manière, c'est une scène qui est représentée comme celle de David et Bethsabée, quand David surprend Bethsabée nue au bain. Et ça tourne d'abord autour de la nudité de la femme. À l'évidence, il y a cette espèce de tabou de la nudité. C'est le premier tabou. Et c'est la première chose que ne devait pas voir Raymondin. Et d'une certaine façon, il y a un lien entre cette nudité de la femme qu'on ne doit pas voir et qui fait qu'on la voit sous une forme monstrueuse. Il y a à l'arrière-plan, c'est évident, donc la peur de la femme qui se relie à cette scène. Donc un interdit qui est déjà un interdit biblique. D'une certaine façon, oui. Il est certain que là, il y a un lien. Alors maintenant, le spectacle donc qui s'offre à Raymondin, c'est un spectacle, disons, d'horreur, parce que ce qu'il voit, donc, c'est un monstre. Et le texte dit très clairement qu'il s'agit donc d'un serpent monstrueux. Et on voit par là même toute l'ambiguïté de cette métamorphose de Mélusine. C'est une femme donc qui est une bonne chrétienne, qui fait énormément de bien autour d'elle, mais c'est un monstre, c'est un serpent. Et le serpent, bon, d'autre part, on ne peut pas
ne pas le lier au diable, bien sûr. Donc, il y a le serpent du paradis terrestre. C'est le même serpent. Et le serpent, justement, du paradis terrestre est souvent représenté avec le visage d'Ève, avec un visage de femme. Et donc, c'est Mélusine, avec sa tête de femme et son corps de serpent. Mais ce qui est curieux, c'est que les peintres n'ont pas suivi les romanciers, qu'ils n'ont jamais représenté quelque chose d'affreux. Eux, ils ont essayé de représenter Mélusine aussi belle que possible, malgré sa forme serpentine. Mais le texte de Coudrette qu'on vient d'entendre insiste quand même sur la beauté de la moitié du corps et du visage, et la clarté de sa peau. Alors, je ne sais pas si on retrouve là la blancheur de la féerie, enfin la couleur de la féerie, mais il ne montre pas une Mélusine entièrement repoussante. Non, c'est au moment de sa disparition définitive qu'elle se transformera entièrement en serpente et qu'il n'y aura plus d'élément humain. Alors que là, donc, il y a encore cet élément humain, effectivement, le haut du corps qui est celui d'une femme magnifique et le bas qui est celui d'un monstre. Alors, il y a également dans cette description l'évocation de la queue énorme de cette femme serpent, que burelée d'argent et d'azur, dit le texte. Oui, alors là, c'est évidemment pour permettre au lecteur de bien identifier les armes des Lusignans, donc, puisque les burelles, ce sont donc les bandes horizontales de l'écu des Lusignans. Et là, donc, c'est une façon de montrer que Mélusine porte les armes de la famille des Lusignans. C'est une façon de souligner que c'est cette famille-là qui, à la fin du Moyen-Âge, s'est appropriée un mythe qui courait en fait donc dans l'Occident médiéval. Et il y a d'autres familles qui ont récupéré aussi des légendes d'ancêtres féeriques. Alors, est-ce qu'on peut revenir justement sur le contexte historique de la rédaction de ces textes, puisqu'on a affaire à deux romans qui paraissent à quelques années d'intervalle, le livre de Jean d'Arras puis celui de Coudrette? Est-ce qu'on pourrait donc évoquer le contexte historique dans lequel ces deux romans ont été écrits et peut-être très rapidement leurs différences d'écriture? Oui, alors il est certain qu'il y a donc une raison, et en fait deux raisons précises, pour lesquelles les romans surgissent à ce moment-là. Pourquoi vers 1400, pourquoi écrire des romans à la gloire des Lusignans et de leurs ancêtres à ce moment-là, alors qu'à ce moment-là, la famille de Lusignan est en fait en pleine déconfiture? La gloire des Lusignans, c'était plutôt le 12e, le 13e siècle, quand il y a un Lusignan qui est devenu roi de Jérusalem, Guy de Lusignan. Et c'était une famille originaire du Poitou. C'était un ancrage géographique très très précis. Tout à fait précis, donc autour de la forteresse de Lusignan. Mais alors pourquoi en 1400? Alors, il y a en fait deux raisons historiques très précises. La première, c'est la guerre de Cent Ans. Il ne faut pas oublier qu'à la fin du XIVe siècle, on est en pleine guerre de Cent Ans. Et surtout, qu'à la fin du XIVe siècle, dans les années 1370, les Français ont reconquis le Poitou sur les Anglais. Et la forteresse de Lusignan, je crois. En particulier. Et celui qui a reconquis le Poitou parce que c'était son fief, c'est le duc de Berry, Jean de Berry, le fameux donc Jean de Berry, le mécène, celui des très riches heures du duc de Berry. Et il a eu beaucoup de mal à reconquérir le Poitou, et en particulier Lusignan, qui n'est tombé qu'en 1374. Et il ne faut pas oublier que c'est Jean de Berry qui a demandé au premier romancier de Mélusine, Jean d'Arras, d'écrire ce texte. Jean d'Arras dit très précisément qu'il dédie son texte à Jean de Berry. Et il semble bien, en fait c'est même dit explicitement, que Jean de Berry veut se poser d'une certaine façon en descendant de Mélusine pour affirmer sa domination légitime sur Lusignan et sur le Poitou. Et on explique à la fin justement du roman que Mélusine intervient pendant le siège de Lusignan, alors qu'il y a encore un gouverneur anglais, pour bien montrer en fait que le château va changer de maître. Et donc il y a cet élément-là qui est essentiel. Il y en a un deuxième. Il y a un Lusignan qui est en fait en France, qui est à Paris au moment où on écrit les deux romans. C'est Léon de Lusignan. Léon de Lusignan qui est l'ancien roi de Petite Arménie. La Petite Arménie, donc, c'est un royaume
qui correspond à peu près à la Cilicie, à la côte sud-est de la Turquie, aujourd'hui en face de Chypre. Et c'était donc un royaume chrétien qui était dominé par les Lusignans jusque justement à la fin du XIVe siècle. Et Léon de Lusignan a été chassé de son royaume par les Turcs et il s'est réfugié en France. Il a été accueilli par le roi Charles VI et c'était un proche de Jean de Berry. Et il a passé son temps en fait à essayer de susciter une croisade pour reconquérir son royaume, pour que les princes chrétiens aillent se battre contre les Turcs. Une tentative qui a été vouée à l'échec, d'ailleurs. Tout à fait vouée à l'échec, sauf au plan littéraire. Parce que dans le roman de Jean d'Arras, les fils de Mélusine passent une bonne partie de leur temps à se battre contre les Sarrasins. On a un mythe de la croisade qui est très important. Et il est significatif que Léon de Lusignan donc soit mort en 1393, c'est-à-dire l'année même où Jean d'Arras dédie à donc Jean de Berry son roman de Mélusine. C'est une sorte de commande en quelque sorte. C'est vraisemblablement donc une commande. C'est à ce moment-là qu'on a essayé d'utiliser politiquement la légende. Alors que se passe-t-il pour le deuxième roman qui est celui de Coudrette, donc qui est légèrement postérieur légèrement à celui postérieur, de Jean d'Arras. Voilà. Alors le roman de Coudrette, donc c'est autour de 1400 et il est dédié au sire de Parthenay, donc on est très près de Lusignan, et ce Guillaume l'archevêque, donc sire de Parthenay, est lié, c'est un cousin en fait des Lusignans. Et vraisemblablement ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu lui aussi avoir son roman de Mélusine, et à partir du moment où le duc de Berry se présentait comme descendant de Mélusine, de Lusignan, rappelait que lui aussi était un descendant des Lusignans, ce qui était une façon de se rapprocher aussi du duc de Berry. Donc là aussi, une commande politique, et on voit ici que bon, on a un certain nombre de seigneurs qui essaient de tirer parti des légendes fantastiques. Pourquoi se trouver comme légitimité, finalement, comme légitimité d'une lignée, un personnage qui a des côtés diaboliques ? Alors bien sûr, c'est une origine fabuleuse, mais une origine fabuleuse un peu trouble. Oui, mais ça ne faisait pas peur du tout aux gens du Moyen-Âge, au contraire. Ce qui montre l'ambiguïté des relations des hommes du Moyen-Âge avec ce merveilleux païen, pourrait-on dire, qui est bien sûr d'une certaine façon diabolique, mais qui est en même temps fascinant et qui leur permet de se donner un ancêtre féerique, exactement comme faisaient finalement les Romains avec Jules César, avec la famille Iulia qui descendait de Vénus. En fait, c'est un petit peu la même utilisation des figures mythiques. Alors, un mot sur Coudrette et Jean d'Arras. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a donc un Jean d'Arras qui était libraire à Paris, et on sait qu'il a relié des livres, là on a des documents, il a relié des livres pour le duc de Berry, donc il s'agit vraisemblablement de notre romancier. Pour Coudrette, donc là aussi, ce que l'on suppose, c'est que c'était un clerc au service de Guillaume l'archevêque, mais c'est tout le problème de ces clercs du Moyen-Âge, de ces auteurs. Souvent on ne connaît d'eux à peu près que leur nom, et souvent on ne connaît pas même leur nom, puisqu'on a beaucoup d'œuvres anonymes. Donc pour Jean d'Arras et de Coudrette, on ne connaît pas grand-chose de plus que leur nom. Et quelle différence verriez-vous entre les deux textes ? Alors, parce que finalement, ce sont les deux seules versions de Mélusine que nous avons pour le Moyen-Âge. Ce sont les deux seules. Et qui continueront d'ailleurs à être, enfin qui passeront de manuscrits, puisque bien sûr il s'agit de textes manuscrits, à des textes imprimés dès la fin du XVe siècle, et dont la version essentiellement de Jean d'Arras va continuer à se publier dans la littérature de colportage jusqu'au XVIIIe siècle. Bien Donc on sûr. A affaire à des textes qui vont avoir une longue vie éditoriale. Une vie très très longue, hein, puisque donc dans la Bibliothèque Bleue, donc il y aura Mélusine au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle, dans la nouvelle Bibliothèque Bleue, oui, bien sûr. Alors, différence entre les deux textes, le texte de Jean d'Arras donc est un roman en prose, et c'est un roman, disons, beaucoup plus développé, puisqu'il s'intéresse aux ancêtres de Raymondin. Il raconte longuement l'histoire de la mère de Mélusine. Alors, en ce qui concerne Coudrette, vraisemblablement, il a utilisé le roman de Jean d'Arras, mais, et c'est ça qui est intéressant, il connaissait aussi d'autres récits parce qu'il ajoute des épisodes. Il ajoute en particulier l'histoire d'une sœur de Mélusine.
Mélusine à deux sœurs, Melior et Palestine, et l'histoire donc de Melior qui garde un château enchanté en Arménie, on la trouve dans les deux romans, mais il y a Palestine, il y a une troisième sœur qui s'appelle Palestine, et donc on voit encore le lien avec la croisade, qui garde un trésor donc dans le mont Canigou, et c'est le héros donc qui ensuite donc devra partir pour la croisade, qui conquérera ce trésor. Et donc cet épisode est développé chez Coudrette et pas chez Jean d'Arras. Mais sinon, les deux romans sont très proches. Quelle relation verriez-vous avec d'autres récits féeriques? Vous en avez déjà évoqué certains à propos de Lancelot, mais par exemple peut-être le Chevalier au Cygne. Et surtout, pensez-vous qu'il soit légitime de relier ces textes du Moyen-Âge à des contes oraux qui peuvent continuer de se raconter jusqu'à aujourd'hui? Oui, en ce qui concerne les récits parallèles, c'est vrai que le plus proche, c'est la légende du chevalier au cygne. On peut dire du chevalier au cygne que c'est le double masculin de Mélusine. C'est exactement la même histoire, simplement c'est un homme fée qui épouse une mortelle en lui imposant un interdit. Là, elle ne doit pas lui demander son nom. Et c'est ce que l'on va retrouver évidemment dans le Lohengrin de Wagner. Alors maintenant, en ce qui concerne les liens avec le folklore et éventuellement le folklore moderne, alors je crois bon qu'ils existent et qu'ils sont très forts. Simplement, ce que je me demande, c'est dans quel sens ça marche. En particulier à propos de Mélusine. On sait justement que dans la Bibliothèque bleue, enfin le roman a connu un succès absolument prodigieux. Et l'on peut se dire qu'il est tout à fait possible qu'à partir des romans, enfin du roman de la Bibliothèque bleue, il y ait une sorte de, comment dire, de renaissance du conte. Et que donc l'influence ne se fasse pas forcément de l'oral à l'écrit, mais que dans le cas de Mélusine, dans le folklore moderne, il y a peut-être eu l'influence de certains textes écrits qui ont finalement redonné vie, redonné force à des contes et à des légendes donc oraux. Cette Mélusine, finalement, elle est amoureuse et maternelle. C'est une figure bénéfique de la divinité ou de la figure féminine surnaturelle. Est-ce qu'on peut la comparer et l'opposer à d'autres figures féminines? Oui, il y a en particulier une opposition dans la littérature donc médiévale entre deux types en fait de fées. Cette figure mélusinienne qui est donc bénéfique, qui est bonne, qui est maternelle, bon, qui est inquiétante aussi, donc il ne faut pas se le cacher, mais qui est bénéfique, et une figure bon beaucoup plus sombre qui est celle de la fée Morgane, qui au contraire de Mélusine ne vient pas vivre avec un homme donc chez les mortels, mais cherche à entraîner cet homme dans son autre monde. Et donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cet autre monde des fées, dans les pays celtiques en particulier, qui apparaît souvent donc si souriant, c'est l'île des pommes, enfin c'est une île paradisiaque, c'est aussi le pays des morts, et que la disparition du mortel au pays des fées, d'une certaine façon, c'est la mort. À tous, elle dit adieu, et tous pleurent, apitoyés. Puis elle dit « Adieu, Raymondin, je t'ai aimé d'amour parfait. Plus jamais je ne te verrai. Adieu, mon cœur et mon amour. Adieu, toute ma joie. Adieu, tous mes plaisirs en ce monde. Adieu, mon gracieux amant, mon bien le plus précieux. Adieu, mon tendre aimé. Adieu, douce créature, adieu mon amour et ma joie. Adieu, Lusignan, mon beau château que j'ai bâti. Adieu à tout ce qui charme la vie d'une dame, la musique, les fêtes, les louanges et les honneurs. Adieu, cher ami de mon cœur, que Dieu t'aide et te protège. » Sur ces mots, elle saute dans le vide. Devant tous les barons, elle quitte la fenêtre après ces paroles et s'envole aussitôt. À l'ébahissement général, elle s'est transformée en une immense serpente
et la fée devenue serpente a la queue burlée d'argent et d'azur. Tandis que Raymond se désespère, elle fait trois fois le tour de la forteresse, poussant à chaque tour un cri prodigieux, un cri étrange, douloureux et pitoyable. Je n'écris que la vérité, je ne voudrais certes pas mentir. Puis, elle s'en va à vive allure, emportée par le vent, s'envole dans le ciel. La femme, on dit nous sirène, est un thème important de l'art européen du XIXe siècle, un thème ambigu d'ailleurs. De la petite sirène d'Andersen à la Mélisande de Debussy, se tisse l'histoire malheureuse de celle qui quitte le monde surnaturel par amour, au risque de se perdre. Mais au même moment, d'autres femmes, aux formes serpentines de danseuses et de filles du feu, comme Hérodiade et Salomé, représente le versant sombre de la féminité et entraîne dans la mort ceux qu'elles séduisent. Mélusine participe de ces deux imaginaires, bien qu'elle reste une figure bienveillante. Elle inspire Gérard de Nerval dans Les Chimères et un siècle plus tard André Breton dans Arcane 17. Pierre Brunel, comment s'explique l'importance de ces thèmes au XIXe siècle ? Je pense d'abord qu'il y a le climat poétique, c'est-à-dire le décor dans lequel s'installent ces créatures, l'eau, tout particulièrement pour la sirène, pour Mélusine, pour Ondine, et que c'est à partir de ce décor que se déploie une grande rêverie sur ces figures, ce qui explique d'ailleurs que l'art s'en empare tout aussi bien que la littérature proprement dite. Est-ce que vous pensez que la petite sirène d'Andersen est proche du thème de Mélusine ? Forcément, puisqu'elle est elle aussi une créature des eaux, elle aussi, elle vit une aventure douloureuse, et évidemment cet aspect douloureux est quelque chose qui va droit au cœur des gens du XIXe siècle. Mais à mon avis, la figure est très différente car ces figures s'enracinent dans un terroir propre. La petite sirène d'Andersen est propre au Danemark et cette Mélusine dont nous allons parler aujourd'hui appartient à un terroir et à un terroir que je connais bien puisque c'est mon Poitou natal. Alors on a une actualisation, même si le terme n'est pas très poétique, on a une renaissance de la fée, de cette figure féminine au XXe siècle, d'une manière tout à fait superbe, dans Arcane 17 de Breton. Oui, c'est lié à un retour du merveilleux, ce merveilleux prenant sa place toute naturelle dans le surréalisme. Arcane 17 se situe vers la fin de la vie de Breton, je dirais à un moment où la grande explosion du merveilleux a été canalisée, acquiert une certaine douceur, une certaine sagesse, mais c'est tout à fait naturel que ça s'insère dans ce mouvement de l'histoire littéraire. Est-ce que vous voyez un rapport justement avec les ondines du XIXe siècle qu'on vient d'évoquer ? Eh bien, je crois d'abord que les sources de Breton viennent du XIXe siècle. On l'a démontré, et je crois que cette démonstration est impeccable, que son information sur Mélusine vient d'Eliphas Lévy. Et par conséquent, la continuité s'établit, d'autant plus que vous savez très bien comment les modèles littéraires même de Breton sont très souvent des modèles du XIXe siècle, que ce soit Nerval, que nous allons d'ailleurs retrouver avec Mélusine, que ce soit Lautréamont, que ce soit même Huysmans. Donc Eliphas Lévy, c'est quelle date très exactement ? Eliphas Lévy, c'est le milieu du siècle. Avec quel titre de livre ? Je crois que c'est « Histoire de la magie ».
Histoire de la magie, un ouvrage évidemment compilatoire, Breton a recueilli une information tout à fait sommaire sur Mélusine, mais quand on lit Arcane 17, on se rend bien compte qu'il n'y a pas besoin de trésor d'érudition concernant Mélusine, trésor d'érudition qui existe par ailleurs, pour écrire ce récit très libre et je dirais aussi très, très aéré, très fluide, vraiment un récit qui porte le mouvement des eaux. Alors justement, cette Mélusine de Breton, comment pourriez-vous la décrire? Quelle est l'originalité de la création de Breton? La première chose que je dirais, c'est que cette Mélusine est apparemment étroite et en fait beaucoup plus complète qu'on ne peut le penser. On a l'impression que tout se recentre sur les deux cris de Mélusine. Le premier cri au moment de son envol hors du château de Lusignan, le deuxième cri quand elle revient rôder autour du château de Lusignan. Donc ça, c'est conforme à l'histoire absolument. Mais en réalité, siècle. Et certainement grâce à Eliphas Lévy, Breton avait une connaissance plus complète et il m'apparaît évident que l'île de Bonaventure, dont il est question dès les premières pages, cette île qui se situe au large de la côte de Gaspésie au Canada, est l'équivalent de l'île d'Avalon, où Mélusine a été élevée avec ses deux sœurs sous la protection de la fée Morgane. Oui, il y a d'ailleurs déjà, dès les premières pages d'Arcane 17, le sentiment qu'on est dans une sorte de conte ou dans un mythe. Mais le nom de Mélusine, autant que je me souvienne, n'apparaît qu'au début de la seconde partie. Tout à fait. Mais qui a parfois donné au lecteur l'impression d'une hétérogénéité dans l'ouvrage, et ça n'est pas du tout vrai. Il y a une continuité qui est établie et qui est voulue par l'auteur de la première ligne à la dernière. Oui, on trouve déjà un ogre qui aurait hanté cette île de Bonaventure, une sorcière et une petite fille. On trouve aussi l'évocation de Mélisande, quand Breton décrit le rocher percé qui se trouve justement dans le voisinage de l'île Bonaventure. Alors, comment cette atmosphère bien particulière d'Arcane 17 s'explique-t-elle par rapport à d'autres œuvres de Breton? La première chose à dire, c'est que la figure de Mélusine n'apparaît pas pour la première fois dans Arcane 17, donc dans un livre qui date des années 40, mais on trouve déjà Mélusine dans Nadjar en 1927-1928. Dans le récit de Breton, il est dit que Nadjar se coule très facilement dans le personnage de Mélusine. Plus tard, dans L'amour fou, on voit apparaître une figure qui n'est pas exactement la même, mais qui lui est liée, c'est la figure d'Ondine. Et il est donc tout à fait naturel que Mélusine revienne dans ce texte tardif. Ce qui m'apparaît à l'intérieur même du texte, c'est qu'il y a un système d'équivalence, vous y faisiez allusion tout à l'heure avec Mélisande, un système d'équivalence entre différentes figures légendaires et des équivalences qui s'enchaînent par l'oreille, par quelque chose d'extrêmement musical, de Méduse à Mélusine, de Mélisande à Mélusine, de Mélusine à Isis dans les dernières pages. On sent bien que tout cela s'enchaîne et s'enchaîne merveilleusement aussi avec le prénom de la compagne et dernière épouse d'André Breton, Elisa, qui est évidemment au centre de tout cet ouvrage. Alors justement, ce rapprochement avec le personnage féminin auquel est destiné en grande partie Arcane 17, qui est aussi un livre d'amour fou peut-être, dans quelle mesure ce personnage féminin a-t-il une importance dans cette réincarnation de Mélusine? Pour moi, c'est ce qui donne toute sa signification à l'ouvrage. Je rappelle que Breton a rencontré Elisa à New York, en 1943, elle est devenue sa compagne et il l'a rencontrée à un moment extrêmement douloureux de l'existence d'Elisa, c'est-à-dire qu'elle avait perdu sa fille, une jeune fille. Cette douleur transparaît dans Arcane 17, où Breton apparaît en sauveur d'Elisa, celui qui lui a redonné le goût de vivre. Et Mélusine, la mère qui a été séparée de ses enfants, la mère qui a quelquefois perdu ses enfants, devient tout naturellement une représentation d'Elisa elle-même. J'ajoute ceci qui pour moi est peut-être le plus important pour la signification de l'ouvrage. Mélusine est une figure maternelle, c'est hors de doute. On sait que après son envol
elle revient au château de Lusignan pour pouvoir continuer à élever en catimini ses deux derniers nés. Et Elisa aussi est une figure maternelle, une figure de mère douloureuse, une figure maternelle qui continue à veiller sur un enfant, moins sur sa fille morte que sur elle-même. Ma thèse, si j'en ai une à développer au sujet d'Arcane 17, c'est cela, c'est que telle qu'elle est représentée en Mélusine, en mère Lusine, Elisa veille sur les destinées d'un enfant qui est elle-même, qui est la femme-enfant qu'elle porte en elle et la femme-enfant que Breton a aimée en elle. Oui, alors ça c'est quand même très étrange parce que le thème de la femme-enfant, à mon avis, n'apparaît pas dans la Mélusine médiévale. Absolument pas. Là, c'est l'intervention de Breton, c'est sa recréation de cette figure légendaire devenue mythique, devenue en tout cas mythe littéraire, et l'adaptation se fait d'une manière tout à fait originale de ce côté-là. D'un autre côté, une réadaptation, une recréation, une actualisation, pour le coup, se fait puisque la figure est présentée à travers la brume de la guerre, d'une guerre où se trouve amalgamée celle qui vient d'avoir lieu, ou celle qui avait encore lieu quand Breton a rencontré Elisa, la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi la Première Guerre mondiale. Et Mélusine, figure de mère douloureuse, est aussi cette mère, ou l'une de ces mères, que Breton a vu à la gare de l'Est, accompagnant vers le train qui les conduit au front un fils, et un fils qui bien souvent ne reviendra pas. Et ce qui est très poétique à mon sens, c'est que cette Mélusine-là, réincarnée dans les mères qui voient partir leur fils pour la guerre à la gare de l'Est, est représentée essentiellement par un mouvement des bras. Ce n'est plus le cri de Mélusine, ce sont des bras qui semblent démesurés et qui symbolise la douleur de la séparation. C'est le geste de l'adieu, c'est l'expression de la séparation. Mais je crois qu'on peut dire aussi, et ce n'est pas un paradoxe artificiel, que le cri de Mélusine, ou les deux cris de Mélusine, que Breton fait admirablement entendre dans la seconde partie de son livre, peuvent très bien être des cris silencieux. Et d'ailleurs, la manière dont il les évoque dans son texte n'appelle pas le bruit. Et il les évoque à la faveur d'images, des images qui peuvent être des images de glissement, des images de murmure, je dirais presque à la limite des images de silence. Mélusine après le cri, le lac scintille. C'est une bague et c'est toujours toute la mer passant à travers l'anneau du doge. Car il faut que cette alliance, tout l'univers sensible, la consacre et que rien ne puisse plus faire qu'elle soit brisée. Mélusine au-dessous du buste se dort de tous les reflets du soleil sur le feuillage d'automne. Les serpents de ses jambes dansent en mesure au tambourin. Les poissons de ses jambes plongent et leurs têtes reparaissent ailleurs comme suspendues aux paroles de ce saint qui les prêchait dans le myosotis. Les oiseaux de ses jambes relèvent sur elles le filet aérien. Mélusine, à demi reprise par la vie panique, Mélusine, aux attaches inférieures de pierrailles ou d'herbes aquatiques, ou de duvet de nid, c'est elle que j'invoque. Je ne vois qu'elle qui puisse rédimer cette époque sauvage. C'est là encore que le processus de l'amalgame, ou peut-être plus subtilement, du glissement d'une figure légendaire ou mythique de l'une sur l'autre, apparaît. On passe de la femme serpente, donc la figure proprement dite de Mélusine, à la femme poisson,
et à la femme oiseau, c'est-à-dire qu'on dérive, si je puis dire, vers deux représentations différentes des sirènes, les sirènes femmes oiseaux telles qu'elles existent dans l'Odyssée et les sirènes femmes poissons auxquelles nous a habitués une modification tardive, mais qui curieusement a fini par l'emporter sur la représentation originelle. Alors, ce qui est important aussi, me semble-t-il, c'est que cette Mélusine réinventée par Breton est une Mélusine très proche des éléments de la nature, à tel point qu'elle se fond presque dans le paysage. Il faut tenir compte aussi d'une donnée qui n'est pas du tout naturelle, même qui est totalement artificielle et dont on ne peut pas faire l'économie, puisqu'elle justifie le titre même du livre, c'est-à-dire la force de l'image 17 du tarot, de l'arcane 17, qui est la représentation d'une femme accroupie au bord d'un ruisseau. Donc l'eau qui coule dans cette représentation de la femme à travers la carte du tarot est celle qui entraîne le flux des images dans le texte de Breton. C'est aussi une figure du secret. C'est aussi une figure du secret, et le mot arcane a évidemment toute sa force ici. Alors est-ce qu'on pourrait revenir justement sur cette importance du secret dans le personnage de Mélusine ? Alors, dans le personnage de Mélusine, le secret, il est le secret de sa double nature, puisqu'après son mariage avec Raymondin de Lusignan, elle ne lui a pas révélé cette double nature. Il faut qu'un jour, Raymondin la surprenne au bain, un samedi, face à un trou dans la porte ou dans le mur, pour voir ce qui se passe et pour découvrir la nature serpentine de son épouse. C'est un secret donc qu'elle voulait absolument garder. Et le jour où ce secret est découvert, la destinée du couple change et la destinée de l'un et de l'autre change. Selon certaines versions, cette conséquence est immédiate. Selon d'autres versions, cette conséquence est relativement lente à intervenir, puisque je crois que c'est ce qui se passe dans la version de Coudrette. C'est seulement plus tard, à l'occasion d'un méfait d'un de leurs enfants, Geoffroy, que Raymondin s'emporte contre Mélusine et accuse Mélusine d'être responsable par sa nature serpentine, donc démoniaque, du méfait que vient de commettre leur fils. Absolument, c'est-à-dire que le non-respect de l'interdit ne passe pas par le fait que Raymondin a surpris sa femme mi-poisson, mi-être humain, c'est qu'il l'a révélé, c'est-à-dire que la parole a une importance toute particulière dans ce conte. Et je me demande si, chez Breton, avec le personnage d'Elisa et la douleur que vous évoquiez tout à l'heure, nous n'avons pas aussi un rapport tout à fait particulier au secret et au silence. Alors je ne pense pas qu'il existe un interdit du même ordre dans le texte de Breton. Mais il existe, je pense, plutôt quelque chose qui est de l'ordre du tabou. On ne parle pas entre André Breton et Elisa de la mort de la jeune fille. Et par conséquent, je dirais que Breton, en tant qu'écrivain, a une marge de manœuvre faible. Il doit s'imposer une pudeur extrême pour évoquer ce deuil d'Elisa. Et l'un des moyens de respecter le tabou, de ne pas violer l'interdit, c'est de passer par la figure mythique de Mélusine. Au lieu d'exprimer tout cela directement, comme il pourrait le faire, un peu comme Rilke l'a fait, par exemple, il passe par cette figure de Mélusine, par une forme indirecte d'expression, et par conséquent par un très grand respect de l'interdit qu'ils ne se sont pas imposés l'un à l'autre, mais qui est, je pense, une donnée fondamentale de leur existence commune. Alors, à propos d'Arcane 17, on lit également ceci, « Je ne vois qu'elle, la femme, qui puisse rédimer cette époque sauvage. » Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce point et sur une sorte de mystique, peut-être, de la femme et de Mélusine, ici, qui a été célébrée par plusieurs des surréalistes, pas seulement par Breton? Le texte prend place à une époque extrêmement douloureuse de l'histoire, c'est une vérité d'évidence.
Breton a ressenti très fortement cette douleur à cause de la souffrance que lui impose la guerre, à cause de la souffrance que lui impose aussi l'exil, y compris une souffrance personnelle, puisque cet exil le sépare d'une autre femme dont on ne peut pas taire le nom ici, c'est-à-dire Aube, sa propre fille. Et cette époque douloureuse appelle une rédemptrice, c'est vrai, rédemptrice qui prend le visage de Mélusine, qui prend le visage d'Elisa, mais qui, dans les dernières pages du livre, prend le visage d'Isis. Et c'est là que la modulation qui intervient n'est pas seulement une modulation pour le plaisir de l'oreille. Quand on passe de Mélusine à Isis, dans les dernières pages du livre, c'est que Isis va être la figure rédemptrice, comme elle l'est dans une tradition très ancienne, dans les métamorphoses d'Apulée, ou dans ce grand héritier des métamorphoses d'Apulée, qu'est Gérard de Nerval, un modèle parfaitement mis en place par André Breton dans les ajours qu'il ajoute en 1947 à son livre. Avec évidemment ce rapprochement fait avec le poème des Chimères, où il est question du cri de la fée. Avec la fin d'El Desdichado, où la fée peut aisément être identifiée comme Mélusine, puisque le nom de Lusignan apparaît au vers 9, suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron. Alors, une dernière question, Pierre Brunel. Tout de même, cette importance de la femme, cette figure rédemptrice que vous évoquiez, qui peut-être représente des valeurs féminines qui s'opposent aux valeurs masculines à cause desquelles la France, l'Europe, le monde sont en guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Breton. Qu'en pensez-vous? Je voudrais la donner quelques mots, même pas d'explication, mais plutôt qui jaillissent un peu directement de moi. Je me demande d'abord si André Breton, avec cette figure historique qu'il a eue de pape, entre guillemets, du surréalisme, n'a pas eu très souvent affaire à des personnalités masculines qui lui deviennent insupportables ou odieuses. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il se retourne vers la femme comme consolatrice, comme rédemptrice. Michelet l'avait fait comme aussi. Comme supérieure à tous ces hommes qui ont encombré son existence. La deuxième justification qui apparaît spontanément, qui est banale, mais qu'on est quand même obligé de dire, c'est qu'André Breton est un grand poète de l'amour et un grand poète de la femme depuis le début. Natcha, l'amour fou, Arcane 17, tout cela jalonne un itinéraire qui est parfaitement balisé et parfaitement net. Est-ce que ça n'est pas un appel un peu facile? C'est la question qu'on peut se poser, et je pense que c'est vers cette question que me conduisait directement la vôtre. Je le pense pour ma part. Et je dirais là avec un peu d'ingénuité que ma légère déception, quand je lis les poètes qu'on regroupe autour du surréalisme, que ce soit Breton, que ce soit Éluard, que ce soit Aragon, c'est que finalement, il développe presque à satiété un thème éternel, je le reconnais, mais qui n'est pas dénué de banalité, même dans la manière dont il le traite, qui est le thème de l'amour, et qui est donc, par conséquent, le visage de la femme. Ça a été dit à propos d'Éluard en particulier, Éluard qui a été probablement surévalué à un certain moment dans la perception qu'on avait de la poésie du XXe siècle, Éluard a ses banalités. D'Aragon et d'Elsa, nous savons un peu plus aujourd'hui ce qu'il faut penser, et même Breton qui est, c'est vrai, un merveilleux poète de l'amour et qui n'a pas recours à une expression aussi directe qu'Éluard et Aragon, je crois se trouve un peu à distance de l'immense originalité de créateur qui est la sienne quand il nous conduit vers ce qui est un peu trop attendu et peut-être un peu conventionnel. Pierre Brunel, est-ce qu'on pourrait
parler davantage de l'aspect ésotérique de l'inspiration de Breton dans Arcane 17. Vous évoquiez le tarot, on peut parler aussi d'Isis, la déesse égyptienne. Le fait que Breton puisse son inspiration chez Eliphas Lévi est déjà le signe que Mélusine, pour lui, passe par l'ésotérisme ou l'occultisme sous toutes ses formes. Nerval vient renforcer le processus, puisque Nerval lui-même est nourri de sources ésotériques. Et je suis persuadé que la figure du tarot intervient chez les deux poètes. On observe très bien que dans El Desdichado, on passe de la tour à la fée, donc de l'arcane 16 à l'arcane 17 du tarot. Et le même enchaînement se produit dans Arcane 17, si on veut bien considérer le rocher percé au début du livre, comme une sorte de tour naturelle, c'est vrai. Et si on veut bien admettre aussi que, là encore, l'Arcane 16 conduit vers l'Arcane 17, c'est-à-dire la femme au bord du ruisseau, d'un ruisseau qui peut représenter les larmes de la mère douloureuse, comme il peut représenter l'eau purificatrice, l'eau rédemptrice, celle qui conduit donc vers le salut final placé sous le signe d'Isis. Il faudrait ajouter, je crois, aussi des éléments alchimiques. Là, j'avoue que je suis très peu versé dans ce domaine, mais c'est quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie, l'alliage des éléments, l'eau et le feu, des combinaisons de type alchimique qui sont utilisées avec une infinie discrétion par Breton, car c'est un écrivain d'une très grande délicatesse, mais qui sont présents, et qui sont présents non seulement à cause de son attirance personnelle vers ces domaines occultes, mais à cause des lectures qu'il a faites, des lectures qui sont beaucoup moins encombrantes qu'elles ne sont quelquefois chez Nerval, mais qui sont présentes et qui guide sa plume. Mélusine, à l'instant du second cri, elle a jailli de ses hanches sans globe, son ventre et toute la moisson d'août. Son torse s'élance en feu d'artifice de sa taille cambrée, moulée sur deux ailes d'hirondelles. Ses seins sont des hermines prises dans leur propre cri, aveuglantes à force de s'éclairer du charbon ardent de leur bouche hurlante. Et ses bras sont l'âme des ruisseaux qui chantent et parfument. Et sous l'écroulement de ses cheveux dédorés se compose à jamais tous les traits distinctifs de la femme-enfant, de cette variété si particulière qui a toujours subjugué les poètes parce que le temps, sur elle, n'a pas de prise. L'histoire de Mélusine, la femme qui se métamorphose tous les samedis en serpent, prend forme dans les romans français de Jean d'Arras et de Coudrette vers 1400, romans qui sont écrits à la gloire de la famille de Lusignan. Mais la légende continue d'inspirer au siècle suivant des rééditions, des réécritures et des traductions. Elle fusionne alors avec d'autres thèmes qui en sont proches. Elle rencontre par exemple au pays de Galles les Ondines et les Dames du Lac, et dans le domaine germanique, la figure mystérieuse du chevalier au cygne. Claude Lecouteux, on sait que dans les romans de Coudrette et de Jean d'Arras, la fée Mélusine est attachée à la terre de Poitou. Qu'en est-il par la suite? Peut-on parler de la diffusion de la légende? Alors, il faut bien distinguer entre deux
entre les deux auteurs, Coudrette et Jean d'Arras, car la diffusion n'a pas du tout été la même dans l'ensemble de l'Europe, disons de l'Espagne jusqu'à la Russie. On a une petite réception de Jean d'Arras à l'étranger, c'est-à-dire que nous en avons par exemple une traduction en anglais du XVIe siècle, mais nous avons aussi une traduction en anglais de la même époque de Coudrette. En fait, le grand vecteur qui a fait connaître à l'étranger la légende, c'est le texte de Coudrette traduit par le bernois Turing de Ringoltingen. Sa traduction a eu un succès énorme, puisqu'on peut dire que dans toute l'Europe orientale et septentrionale, tout vient, en fait, du texte de Turing. C'est-à-dire donc d'une version vient de Suisse. D'une traduction donc alémanique du roman de Coudrette, mais non pas du manuscrit qui nous est parvenu. Et c'est en cela que c'est intéressant, car il a eu accès à des manuscrits perdus, et on peut dire que sa traduction complète, en quelque sorte, les traditions françaises. Et quand on étudie l'ensemble, disons, de ces traductions et adaptations dans des langues étrangères, on constate que souvent, les traducteurs ou adaptateurs ont travaillé sur plusieurs manuscrits différents ou plusieurs rédactions différentes. Ce qui fait qu'on en a, on a toujours des petits écarts entre les traductions et les adaptations, en sachant que la tendance générale, c'est une adaptation aux conditions locales, c'est-à-dire aux mentalités locales et aux milieux socio-historiques. Alors justement, c'est ça qui m'intéresse. Comment se transforme la fée Mélusine dans ces nouvelles versions et que font les traducteurs qui se trouvent dans la zone alémanique alors que c'est quand même une fée poitevine chez Coudrette et chez Jean d'Arras? Alors, ce qui les a beaucoup intéressés, c'est essentiellement l'aspect mère d'un grand lignage. C'est-à-dire avoir une fée pour ancêtre, c'est un élément qui vient, disons, du fond des temps, et qui leur a plu pour une raison très simple, c'est qu'ils avaient déjà localement, disons dans toute l'Europe orientale, on avait déjà localement des légendes qui vous racontaient l'union d'êtres surnaturels, en général une femme, avec un simple mortel. Mais là, dans la légende de Coudrette, ce qui leur a plu, c'est qu'elle est véridique. Je mets le mot entre guillemets. Oui, parce qu'on est quand même du côté du féerique. Oui, on est dans le féerique, mais si vous prenez Turing, toute son introduction est uniquement une démonstration de la véracité de l'histoire. Et ce n'est même pas une question de vraisemblance, c'est un fait réel. C'est un fait véritable, ça fait partie des merveilles du monde telles qu'on peut les rencontrer. Et du reste, la Bible est citée, on nous dit Dieu est incomparable dans ses œuvres, etc. Donc c'est en fait un élément naturel que nous comprenons comme surnaturel parce que nous n'avons pas le contexte et que les voies de Dieu sont impénétrables. Voilà ce qui nous est dit. Et ça, cet élément du réel, disons cet ancrage à l'intérieur du réel et dans le vrai, c'est ce qui a fait vivre la légende, indépendamment du fait que c'est une très belle histoire, hein, qui montre l'impossibilité de l'union de deux mondes trop séparés, disons le monde surnaturel et l'ici-bas. Alors ça, donc, la 1456, vous avez la Mélusine de Turing. Elle passe sous la forme de livres de colportage qui sont diffusés dans toute l'Allemagne. Et à partir de là, ces livres de colportage sont reçus dans les autres pays. Alors, on a, à partir de 1579, on a une première adaptation en danois qui va donner lieu à plusieurs éditions. On en a une très belle conservée de 1613 à Copenhague. Et, disons, cette branche va connaître 22 éditions qui représentent en fait 22 rédactions différentes jusqu'en 1877. C'est vous dire le succès. C'est quelque chose de phénoménal. Mais alors, je vous repose un petit peu la question de tout à l'heure. Est-ce que Mélusine se transforme? Est-ce que l'histoire qui nous a été, qui sert de modèle et qui est celle de Jean d'Arras ou de Coudrette, change? Oui, oui, elle change, mais disons, la structure ne bouge pas. Les éléments fondamentaux subsistent, mais l'accent est mis de façon différente, en fonction justement de ces rédactions. Ce qui disparaît, c'est entre autres choses l'ancrage
dans le Poitou. Ah bah oui, ça paraît relativement logique. Alors ça, bon déjà, vous savez que la fontaine de C avait été transformée en fontaine de soif. Alors là, ça devient une fontaine aussi de soif ou une fontaine quelconque. Donc le lieu de la rencontre. Voilà, entre on se le doute que la fontaine est miraculeuse ou merveilleuse, mais ça a moins d'importance. Et puis tout ce qu'elle a bâti est éliminé. C'est-à-dire que nous avons eu une perte ou une déperdition au niveau du texte de tous les éléments qui seraient en quelque sorte connexes ou qui enjolivent l'histoire. Hein? Dans le Poitou, on pouvait la localiser. Elle a construit ceci, ceci, cela. Quand vous êtes au Danemark, en Suède ou ailleurs, ça n'intéresse plus le public. Donc il est normal que ces éléments tombent. Mais ça, on ne les a pas remplacés par des éléments proches de la géographie locale, ce soit au Danemark ou en Allemagne, par exemple. Non, on ne les a pas remplacés pour une raison simple, c'est que manifestement, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, ce sont les rapports entre une fée et un mortel. Et alors, la deuxième grande modification se situe au niveau de la religion. Car dans la réforme est passée par là. Autrement dit, tout ce qui est trop marqué catholique romain est éliminé du texte. Et on a un texte, en fait, qui est beaucoup plus sobre, qui est dépouillé de ces éléments, qui font, ça représente à peu près un tiers des romans, du roman de Coudrette. Donc c'est finalement un texte qui a eu un très grand succès dans toute l'Europe. Voilà. Est-ce qu'il y a des versions aussi qui existent dans le domaine britannique? Est-ce qu'il y a des Ondines galloises, par exemple, d'autres régions des îles britanniques qui se rapprocheraient du thème mélusinien? Alors, vous avez deux traductions, en moyen anglais. Une traduction de Jean d'Arras et une traduction de Coudrette, donc. À partir de ce moment-là, on sait que ça a été réédité, disons, plusieurs fois, jusqu'au XVIIe. Et ensuite, on a l'impression que ça ne correspond plus au goût du public. Mais là, vous avez une explication qui est simple. C'est que localement, notamment au Pays de Galles, l'union d'une femme d'une femme surnaturelle et d'un mortel, c'est quelque chose d'extrêmement banal. Alors, vous avez des mélusines galloises qui sont des avatars plus ou moins directs, soit de déesses mères, soit de déesses chevalines. Et puis, vous avez aussi le grand thème de la fée maîtresse. Hein, la fairy mistress, c'est quelque chose de très répandu, mais ça fait partie, disons, marginalement de la légende de Mélusine. C'est parce que localement, on a ces légendes que Mélusine a pu s'acclimater. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus précisément de cette fée maîtresse? On est en face d'une croyance très ancienne, à savoir que vous, mortels, attirez l'attention d'une façon ou d'une autre d'un être surnaturel quelconque. Cet être va s'incarner dans une femme, hein, généralement, mais on peut avoir l'inverse, mais c'est beaucoup plus rare. Donc cette fée va suivre en quelque sorte votre développement. Et puis un beau jour, elle va se montrer à vous en disant, voilà, alors là, je cite textuellement une légende allemande dont on possède une rédaction de 1300-1305 à peu près, où la fée se montre au héros et lui dit, depuis que tu es petit, j'ai suivi tes exploits, ta croissance, etc. Dans tous les combats, je t'ai protégé. Et alors maintenant, il est adulte, il est bon. Maintenant, eh bien, je viens t'offrir mon amour. C'est-à-dire que c'est une fée marraine qui se transforme en fée amoureuse. Oui, mais il n'y a pas vraiment de distinction entre la fée marraine, disons, comme la Dame du Lac avec un lancelot. Hein. Là, c'est un génie protecteur, en fait, qui vous suit et qui ensuite s'unit à vous. Mais je vous dirai la clé de l'histoire après. Donc, d'accord, mais il y a une condition. Jamais tu n'épouseras d'autres femmes mortelles. Sinon, 3 jours après, tu es mort. Alors là, on a le fond, le véritable fond. C'est-à-dire que dans la légende de Mélusine, par Jean d'Arras, Coudrette, etc., Mélusine disparaît. C'est une façon, disons, c'est une euphémisation, en même temps qu'une inversion des faits très anciens. Normalement, Raymondin devait mourir. Hein. Il a transgressé l'interdit.
on meurt. Ça, c'est tout à fait normal. C'est la loi du genre, en quelque sorte. Au Moyen-Âge, c'est plus possible. Mais en Allemagne, qui est plus archaïque, les rédactions sont plus archaïques, et on garde donc la mort du héros. Parce qu'il est contraint d'épouser la fille d'un roi pour assurer la pérennité du lignage. Bon, trois jours après, il est mort. Là, il s'agit d'autres versions que des versions, versions que vous évoquiez parallèles tout à l'heure. Et ces histoires donnent quel nom à la déesse ou à la fée ? Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Et ça aussi, c'est intéressant, car dans toutes les versions les plus anciennes, ces personnages n'ont pas de nom. Hein ? C'est la nymphe, c'est la fée, c'est la dame. Jamais elles ne sont nommées. Seule Mélusine est nommée. Ce qui est intéressant, c'est que dans les versions de Jean d'Arras et de Coudrette, Mélusine est une sorte de fée victime. Son aspect diabolique disparaît complètement. Et cette euphémisation que vous évoquiez joue aussi dans ce sens. Oui, mais pour moi, l'aspect diabolique est inexistant. Pour une raison simple, c'est que les êtres de l'au-delà ne sont ni bons ni méchants, ni divins ni diaboliques. C'est quand même une femme serpent. Oui, mais je veux dire, à quel moment la queue de serpent est-elle venue se greffer sur le personnage ? Est-ce que ça n'a pas été pas pour des besoins héraldiques, par exemple ? Ou peut-être la reprise d'une légende locale ? Il y a des mines à Mel, pas très loin de Lusignan, etc. Donc, la queue de serpent, c'est un ajout. Hein, c'est peut-être un appendice qui est venu après. Ou simplement, moi, c'est ce que je pensais, c'est que l'Église a éprouvé le besoin de diaboliser ces femmes, puisqu'elles étaient dangereuses. Elles vous détournaient, finalement, du mariage normal, et vous entraînaient sur la voie de la damnation. À chaque fois, dans les textes un peu plus christianisés, c'est ça, mais vous vous damnez. Moi, j'ai plusieurs légendes mélusiniennes allemandes, où on confesse le héros, parce que il ne doit pas parler de sa fée, on le confesse, et l'évêque lui dit mais enfin, c'est votre compagnon de lit, mais c'est le diable. Il y a aussi le fait que l'interdit, c'est-à-dire ne pas voir ce que fait la femme le samedi, est lié à un jour de la semaine qui n'est pas anodin. Oui, mais là, je vous dirais, dans une perspective chrétienne, tout le monde fera le rapprochement entre samedi et sabbat. Sabbat des sorcières. Voilà, sabbat des sorcières. Quoique c'est un petit peu... Je vois pas très bien Mélusine en sorcière, mais tous les jours de la semaine sont significatifs. Tous ont un rôle et tous, à chaque jour de la semaine, est lié une croyance ou sont liées de multiples croyances. Donc la polarisation sur le samedi, c'est vraiment un axe supplémentaire, disons un accent supplémentaire posé vers la diabolisation. Ça c'est certain aussi. Mais j'ai d'autres textes dans lesquels c'est un mercredi. Donc c'est une variable, ce n'est pas une constante. Et dans la légende de Mélusine, il faut bien distinguer entre la structure, qui est une constante, et les variables, c'est-à-dire en fait, vous avez un certain nombre de paradigmes qui vont varier sans cesse en fonction des lieux, en fonction des époques, en fonction de la religion. Et c'est ce qui fait en fait la vie de la légende. Ce qui est quand même intéressant, il me semble, c'est que dans l'histoire originale, si l'interdit existe, c'est aussi parce que Mélusine risque d'errer pour l'éternité si le mortel avec lequel elle a choisi de vivre ne respecte pas l'interdit. Et cette sorte de damnation possible est liée à une faute originelle, qui est le fait qu'elle a fait enfermer son père dans une montagne. Donc c'est pour ça que je parlais de fée victime, même si le terme est ambigu, puisqu'il y a quand même faute au départ. Oui, non, c'est un péché. En fait, elle est maudite. Oui, elle est maudite par sa mère, mais parce qu'elle a commis un péché. En fait, elle s'est révoltée contre son père. Et si vous voulez, ça va beaucoup plus loin que la simple notion de péché. Parce que en enfermant le roi Elinas à l'intérieur de la montagne, elle l'a exclu de la famille. Et ça, c'est un point fondamental et très ancien. Donc, en quelque sorte, elle a damné son père. En le sortant du lignage, il ne pourra plus œuvrer pour le lignage.
puisque vous savez que le contact, que vous soyez mort ou non, le contact perdure et que vous pouvez aider vos descendants, etc. Ce que fait Mélusine, du reste. Hein. Et à partir de ce moment-là, c'est un crime capital pour lequel elle doit expier. Alors, l'expiation, ici, prend une forme chrétienne. Si j'étais resté avec toi, j'aurais eu une âme, je serais morte comme une simple mortelle, etc. Mais je crois qu'on est dans du christianisme pur. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait que, dans le domaine germanique en particulier, il y a beaucoup d'autres histoires d'union entre une femme surnaturelle et un mortel, et aussi peut-être l'inverse, quoique ce soit plus rare. Est-ce que vous pourriez évoquer d'autres récits qui se rapprocheraient du thème mélusinien ? Vous avez plusieurs récits, notamment à partir, disons, du tout début du XIVe siècle. Hein. À partir de 1300, nous avons deux magnifiques récits. L'un, c'est Peter de Stauffenberg, auquel je faisais allusion tout à l'heure, hein, celui qui meurt parce qu'il est obligé de se marier. Et vous en avez un second qui s'appelle Frédéric de Swab, qui est un roman à peu près de 1350, où, à l'intérieur, vous avez la combinaison de la légende de Mélusine avec la légende des femmes cygnes. Et puis enfin, si on prend maintenant comme principal protagoniste surnaturel un être masculin, vous avez tout le complexe des légendes du chevalier au cygne. Alors est-ce qu'on pourrait revenir sur ce récit qui, je crois, comporte beaucoup d'éléments proches de celui de Mélusine ? Et il est exactement le pendant masculin de Mélusine. Bon, l'histoire est très simple. Hein. Une duchesse de Brabant se trouve dans des difficultés insurmontables parce qu'elle est à la tête de son duché et les prétendants, n'est-ce pas, sont très pressants. Elle ne veut pas se marier et un beau jour, il lui déclare la guerre et un chevalier, comme par hasard, arrive tout seul à Nimègue ou dans une autre ville, hein, mais c'est sur les bords du Rhin, dans une nacelle tirée par un cygne. Et entre le cygne et la nacelle, nous avons une chaîne d'argent ou une chaîne d'or. Il arrive sur une nacelle sur l'eau. Sur l'eau. On a déjà l'élément aquatique qui est si important chez Mélusine. Et il tient à la main, il tient un corps. Il a une épée au côté. Bon. Il va la trouver et bon, il va l'aider à vaincre ses adversaires. Et il va l'épouser à condition qu'elle ne lui demande jamais d'où il est venu. Ils ont trois enfants. Et puis, toujours la même chose, des antagonistes entrent en scène, et la dame dit « Je ne peux pas continuer plus longtemps à vivre avec un époux dont j'ignore le lignage. » Elle lui demande donc d'où il vient. Il ne répond pas. Mais il lui dit « Ben voilà, je suis obligé de partir. » Et avant de partir, il va laisser trois objets à chacun de ses fils. Alors une épée, un corps et un anneau. Et il disparaît, c'est-à-dire, en fait, il est contraint de disparaître puisque le cygne arrive, tirant la nacelle, et il monte dedans et disparaît, et on ne le revoit pas. Donc là encore, on a un fond extrêmement ancien. La transgression de l'interdit, c'est la disparition, la rupture. Alors ce chevalier au cygne, d'où vient-il en réalité ? Alors, on a plusieurs explications, hein, mais aucune n'est antérieure au premier témoignage de la légende. Alors, dans une des explications, on nous dit qu'il vient de l'Inde et d'un espèce de monastère, si vous voulez, qui se trouve sur une haute montagne. Alors, l'Inde, c'est une Inde mythique, hein, et il ne faut pas la situer comme aujourd'hui. Et quand une femme est en difficulté dans le monde, une cloche sonne. Et donc un chevalier est envoyé à son secours. Toujours tiré par un cygne. Alors c'est un cygne.
Donc on a ici, moi je pense que c'est un ajout, si vous voulez, ou un amalgame avec une autre légende, hein, la légende du dernier recours possible. Alors il va quitter les Indes, l'Inde lointaine, et il va arriver comme par miracle et par enchantement pour venir à votre aide. Alors ça, c'est une solution légendaire. La solution mythique, c'est tout simplement qu'on a eu une espèce de dégradation de dieux du grand panthéon et leur insertion dans le monde des mortels. Je pense à cette solution parce que j'ai un fragment de légende qui est très intéressant et qui apparaît chez Saxon le Grammairien au début du XIIIe siècle. Vous avez un demi-dieu qui s'appelle Baldur qui est amoureux d'une simple mortelle et il lui dit « Veux-tu m'épouser ?» Elle lui répond « Non ». Elle lui dit « Mais c'est impossible ». Nul ne peut rapprocher ce que l'ordre du monde par trop sépare. Là, je cite textuellement le texte. Donc, on a déjà cette notion, si vous voulez, de conjonction impossible. Et malgré tous les efforts, donc toutes ces légendes, c'est une espèce de transgression de cette loi naturelle, conjonction impossible entre deux mondes différents. Et toutes les légendes veulent montrer que c'est possible. En tout cas, dans l'histoire de Mélusine, comme dans celle du chevalier au cygne, l'union se révèle à la longue impossible, puisqu'elle se termine par une transgression de l'interdit et par une rupture. Mais ce qui m'intéresserait, ce serait aussi de savoir si entre le chevalier au cygne et les enfants cygnes, par exemple, qu'on retrouve plus tard chez Grimm, il y aurait des rapprochements. Le conte des enfants cygnes a vécu bien indépendamment de la légende du chevalier au cygne. Et du reste, il est antérieur aux premières notations en langue vulgaire de la légende du chevalier au cygne, de Lohengrin, hein, finalement. C'est un texte dont on trouve plusieurs versions avant le XIIe siècle et en latin. Et c'est un conte qui amalgame, là encore, des données très différentes, à savoir le thème de la malédiction et le thème de la marâtre, ou de la belle-mère, si vous voulez, hein. En l'absence du roi, la belle-mère réussit à transformer sa bru en un être qui a péché, puisqu'elle a mis, je ne sais plus combien, 6 enfants au monde d'une seule portée. Donc, elle a connu plusieurs hommes. À partir de ce moment-là, la femme est punie, et d'une façon extrêmement précise, qui correspond strictement au droit de l'époque. Hein, puisqu'elle est enterrée dans la cour du château, jusqu'en haut du corps, et les gens qui rentrent dans la cour du château s'essuient les mains à sa chevelure. Et les enfants, eux, sont transformés en cygnes du fait qu'on leur a ravi des chaînes qu'ils portaient autour du cou. Donc, premièrement, leur mère est une fée. La même chose, elle a été rencontrée en forêt par le héros. Elle est anonyme, hein, et le père aussi. Donc, quand elle a mis ses enfants au monde, ils portaient tous une chaîne autour du cou. Ce qui est une façon de marquer leur ascendance surnaturelle. Alors, pourquoi ? Personne n'a trouvé la réponse jusqu'à maintenant. Il y a aussi une chaîne qui relie la nacelle aussi, voilà. Une chaîne d'or. Voilà. Alors, ça, si vous voulez, on a cette première légende. Mais il y a un enfant qui réussit à échapper et qui permet à ses frères de retrouver, en général c'est une fille, qui permet à ses frères de retrouver forme humaine en récupérant les chaînes, et on a tout est bien qui finit bien, la belle-mère est punie, et la mère retrouve sa place au sein de la famille. Alors, ça a donné l'idée, la présence des chaînes a donné l'idée de rattacher l'histoire de Lohengrin à ce conte, et on a inventé en quelque sorte le motif suivant. Une des chaînes a été fondue par un orfèvre pour faire un bijou. Donc, un des enfants est resté cygne. Et regardez bien la faille. Un des enfants est resté cygne puisque sa chaîne a été fondue. C'est cet enfant qui va tirer la nacelle du chevalier au cygne, mais il la tire à l'aide d'une chaîne. La faille, d'où sort cette chaîne ? Vous voyez, donc là, on a bien une trace du collage, en quelque sorte, des deux légendes ensemble. Et du reste, c'est un fait reconnu largement au sein de la recherche que les deux ont été amalgamés, les deux contes.
Vous évoquiez Lohengrin, c'est-à-dire la version musicale chez Wagner de non, ce que non. devient le Chevalier au Cygne. Est-ce que c'est antérieur ? C'est déjà, si vous voulez, Lohengrin, c'est déjà la version qu'on a au Moyen-Âge. Ah, il s'appelle, donc le Chevalier au Cygne s'appelle déjà Lohengrin à oui, cette époque ? Déjà, dès le début du XIIIe siècle, nous avons Lohengrin qui correspond au fameux, en français, à Lohengrin, c'est-à-dire Garin, le Lorrain ou le Lauréen. En conclusion, pourriez-vous parler un petit peu davantage de la symbolique animale, enfin du choix du cygne dans le cas du Chevalier au Cygne et du choix du serpent dans le cas de Mélusine ? Pour le choix du cygne, je crois qu'il n'y a pas eu choix. Il fallait reprendre un élément, disons, emblématique, hein, qui renvoyait, qui éclairait la personnalité de l'individu qui apparaissait, de l'individu surnaturel. Or, les divinités que j'ai, du panthéon germano-scandinave que j'ai évoquées sont liées à des cygnes. Donc je pense que c'est la dernière marque, parce que tous ces personnages peuvent à volonté, et ça on l'oublie trop souvent, prendre une forme animale. C'est-à-dire que votre cygne peut aussi bien être le dieu lui-même ou même le chevalier. Et là, le chevalier et le cygne, c'est en fait le même personnage. De même que Mélusine et le serpent, c'est un seul et même personnage. Alors dans le cas de Mélusine, on a une association physique qui n'a pas eu lieu dans le cas du chevalier au cygne. Parce qu'on aurait très bien pu avoir un individu, un homme qui aurait été couvert de plumes de cygne, hein, comme d'autres le sont d'une peau de loup. Mais dans Mélusine, ça s'est soudé. Et à mon avis, parce qu'il y avait déjà des modèles iconographiques. Et notamment, si vous voulez, dans la sculpture romane. Et en architecture en Allemagne, par exemple, vous savez, les Mélusines, ce sont des sirènes bifides au niveau de la sculpture. Et les Allemands ont choisi Mélusine pour désigner ce motif architectonique. Donc Mélusine et le serpent, là, si je devais tout de même formuler une hypothèse, je dirais que c'est une marque de son ascendance, pas seulement chthonienne, mais de son caractère de génie du lieu, c'est-à-dire de l'endroit où il l'a rencontré et du lieu où elle a fait construire Lusignan. Si l'histoire de Mélusine, écrite à la fin du XIVe siècle, a continué d'inspirer une grande quantité d'adaptations pendant les siècles suivants, c'est parce qu'elle entrait en résonance avec le folklore et avec des rituels associant d'archaïques divinités de la terre à la fée serpent. Le bain de la fée, lui-même, qui est central dans le récit, ressemble à un rite de purification et invite à ce type d'analyse. J'ai donc demandé à Claude Guaignebé, qui est folkloriste, de tenter de suivre le fil rouge qui relie entre elles les différentes versions imprimées de la légende et ses composantes orales transmises jusqu'à aujourd'hui. Claude Guaignebé, dans quelle mesure les lieux où se déroule le récit, le Forez dont vient Raymondin, l'Albanie dont le père de Mélusine est le roi, l'île d'Avalon où Mélusine passe son enfance, font-ils entrer le lecteur dans une géographie fabuleuse ? Oui, bien sûr, disons, d'ailleurs Jean d'Arras le dit, il veut relier en quelque sorte une tradition qui est sûrement celtique, qui va se passer dans l'île d'Avalon, Brumperelio, tout ça, ce sont des noms celtiques. Donc une tradition qui est celtique, et puis, disons, la grande épopée orientale des Lusignans. Mais je crois qu'il faut maintenir les deux composantes, ou sinon on ne comprend pas grand-chose, entre autres au début du roman, qui se situe nettement en Albanie. Alors c'est assez surprenant de voir le roman se déplacer très rapidement d'Albanie dans une contrée appelée le Forez, puisque c'est ensuite, c'est dans le Forez que se passe la première rencontre, Forez du Colombier. Mais au fond, c'est pas très gênant, cette géographie. C'est une géographie un petit peu imaginaire. C'est ce qu'on a appelé une géographie mythique.
qui est, si vous voulez, ensuite, il faut bien sûr, si on voulait pousser la géographie mythique, se demander ce qu'est le pays blanc, l'Albanie, et pourquoi, je dirais qu'un peu partout dans le monde, la rencontre de la femme de l'au-delà se fait dans le pays blanc. Je crois qu'il y a toujours eu un pays blanc pour les fées, d'abord parce que les fées sont souvent blanches. Les dames blanches. Les dames blanches. Et puis, parce que c'est le pays qui permet aux fées de descendre sur Terre, puisque les fées, de temps en temps, descendent du ciel sur Terre. C'est là qu'elles sont capturées par les humains, avec certaines conditions. Et je crois y reconnaître vraiment partout dans le monde l'échelle qui permet aux fées de descendre sur Terre, c'est-à-dire la Voie lactée, qui est la galaxie, qui est bien entendu blanche. Et à chaque fois, on va avoir donc une rencontre avec conditions. Avec conditions, avec ces êtres de l'au-delà qui, assez curieusement, bien qu'elles soient fées, filles du ciel, dit-on, un peu partout, ont besoin de descendre, souvent une fois par lune, sur Terre. Et c'est le moment où se fait la capture, lorsqu'elle se baigne, et, dit-on, mais vraiment depuis la Chine jusque l'Irlande, eh bien, les filles du ciel ont leurs vêtements de plumes, elles descendent, et puis elles déposent leurs vêtements de plumes pour se baigner. Et c'est le moment que choisit le héros, pas toujours un noble, très souvent un paysan, très souvent un berger, parfois simplement le héros de l'histoire, c'est le cas dans les Mille et Une Nuits, pour saisir le vêtement de plume, vêtement de colombe, vêtement d'oie, vêtement de cygne, l'oie en Chine, la colombe dans les Mille et Une Nuits, et puis garder ce vêtement de sorte que la jeune, généralement c'est la septième fille, la plus jeune, ne peut plus retourner au ciel. Ça n'est pas le cas pour la rencontre entre Raymonda et Mélusine, Claude Guéniobé. Il n'y a pas rapt ou vol du vêtement, mais il est vrai que la scène se passe au clair de lune dans un bois baigné de lumière blanche. Vous savez, il n'y a pas rapt du vêtement, mais enfin, l'aspect le plus important de Mélusine, qu'on a considéré le plus important, c'est ce qu'on a appelé un tabou de la nudité. Donc, il y a bien le fait que, revenant à son état primitif au moment de sa baignade, elle apparaît, si vous voulez, nue, c'est-à-dire dans son bain, et au fond, incapable de reprendre son envol auprès de ses sœurs. Vous savez, il y a même des versions où Mélusine s'envole. Là, le fait que la fée décide de rester auprès d'un humain, mais décide avec, disons, un interdit, c'est le cas le plus souvent, ça se retrouve, disons, un peu partout. Alors, les folkloristes, dont Thomson, qui a fait un grand classement de ce qu'on appelle les motifs des contes, ont classé Mélusine dans les tabous. Il y a un long passage d'un ouvrage sur les motifs des contes qui porte sur les tabous, et un des tabous les plus fréquents, ce sont des tabous qui concernent les relations avec ce que l'on appelle des parents, relatives, alors donc des parents surnaturels. Et ce qui est très curieux, c'est que Thomson classe donc Mélusine dans le tabou de la vision, bien entendu. De la vision de la nudité. De la vision de la nudité. Féminine. De la vision de la femme au bain, ce qu'on retrouve dans des mythes très nombreux. Et assez curieusement, il commence l'ensemble de sa petite étude sur ces tabous dont la rupture entraîne la séparation entre l'époux humain et surnaturel, et l'épouse surnaturelle, en disant que l'épouse surnaturelle disparaît à la suite d'une offense, et il qualifie l'offense de légère, slight, une offense slight. Et alors, j'avoue qu'à la relecture de ce texte, je me suis demandé qu'était une offense légère
soit à l'égard d'une femme. Et je crois qu'il y a peu d'offenses légères à l'égard des femmes. Surtout, et surtout, des offenses. Les offenses magiques ne sont jamais légères. Elles paraissent absurdes, la plupart du temps. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi, en Irlande par exemple, la fée, protectrice de la famille, disparaît. Il y a un seul interdit. Il ne faut pas que son mari l'ait frappé avec soit une bride, soit un mort. Une bride de cheval, oui. Voilà, une bride de cheval ou un mort. Bride avec ou sans mort, si on peut dire. C'est léger comme offense. On a bien souvent des interdits. Il ne faut pas qu'il la voie manger. Il ne faut pas, très souvent, à peu près dans toute l'Europe, il ne doit pas en voir le dos. Mais au fond, voir le dos, c'est quand même un peu inquiétant dans ce cas-là, parce que on s'aperçoit que cette fée qui a épousé un homme est très belle devant, et le dos possède un creux rempli d'ossements. On comprend un peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a, disons, la vie est devant, la mort est située derrière. Incidemment, je pense que c'est ce qui explique que certains de ces personnages sont représentés avec des miroirs, parce que c'est le plus sûr moyen de contrôler, j'appelle ça un peu le rétroviseur magique, de contrôler que quelqu'un ne va pas vous surprendre de dos. La femme de l'au-delà, dans beaucoup de légendes irlandaises, prend non pas la forme d'une fée aquatique, mais celle d'une déesse maîtresse des chevaux, l'une des incarnations de la grande déesse celtique Epona ou Macha. Comme Mélusine, celle-ci peut décider de s'unir à un mortel et lui apporte alors bonheur et prospérité, à condition qu'il respecte un interdit. Soit ne jamais la frapper avec la bride d'un cheval, soit tout simplement ne jamais prononcer son nom. Il y avait chez les Oulaïdes un riche fermier, Grunru, fils d'Agnoman, qui vivait sur les hautes terres désertes. Un jour qu'il était seul dans son lit, il vit entrer et venir vers lui une belle jeune femme distinguée de forme, de vêtements et d'aspect. Elle s'assit près du foyer et alluma le feu. Puis, elle rejoignit Grunru sous sa couverture et lui mit la main sur le corps. Ils furent ensemble jusqu'à ce qu'elle devint grosse de lui. Par son union avec elle, Grunru devenait toujours plus riche. Avec le temps, la grande assemblée provinciale des Oulaïdes s'approchait et Grunru s'apprêtait à y aller. La femme essayait de l'en dissuader car, disait-elle, « notre union cessera si tu parles de moi dans l'assemblée ». Lui promit de ne rien dire. Pourtant, quand il vit que les deux chevaux du roi avaient remporté la victoire dans la grande course et que les chanteurs faisaient leur éloge en disant qu'ils étaient sans pareil, il ne put s'empêcher de déclarer que sa femme était plus rapide qu'eux. Le roi le fit arrêter et envoya chercher sa femme. On menaçait de tuer son mari si elle ne courait pas contre les chevaux du roi. Elle avait beau expliquer qu'elle était déjà dans les douleurs de l'enfantement, le roi lui refusa ce répit et elle dut participer à la course. Enfin, en arrivant au bout de l'arène, avant les chevaux du roi, elle poussa un cri et accoucha d'un garçon et d'une fille. Puis, elle prédit que la honte qu'elle avait subie retomberait sur les hommes d'Ulster. Et que désormais, quand les temps seraient les plus difficiles pour tous ceux qui gardaient la province, ils n'auraient pas plus de force qu'une femme en couche, et que cette débilité durerait jusqu'à la 9e génération. Si l'on cherche des images semblables à celles de Mélusine, c'est-à-dire la femme au bain, la femme dans un baquet, c'est l'histoire d'une sainte, Sainte Véronique,
dite Vénice, fêtée le 4 février. On a une sainte, dont les images apparaissent par exemple très souvent en Normandie, représentée nue, à mi-corps, dans son baquet, et qui tient un peigne, parfois même un miroir. C'est la patronne des femmes menstruées. On lui offre des rubans blancs pour que les menstrues s'arrêtent, des rubans rouges pour avoir à nouveau un flux menstruel. Et à partir de la comparaison des deux images, qui sont tout de même très proches, Mélusine et Sainte Véronique, j'ai proposé, il y a longtemps, de dire qu'il s'agit essentiellement d'un tabou, celui de voir la femme pendant son bain menstruel. Est-ce que c'est lié aussi au fait que ce bain de Mélusine se passe au clair de lune ? Alors, il y a le clair de lune et les phases lunaires qui sont mises en rapport, bien entendu, et on peut retrouver des centaines de versions de ce récit, en consultant là aussi simplement le Thomson, tabou relatif aux menstrues. Mais on sait bien entendu que l'approche de la femme est parfaitement interdite pendant cette période, et même le fait, encore de nos jours, pour tout bain de purification menstruelle, dans la tradition juive par exemple, il est impossible, il est impensable, bien sûr, qu'un homme y assiste. Il y a donc déjà un tabou qui se rapproche de celui que vous décrivez, c'est le premier tabou par lequel commence le roman de Mélusine, à savoir que le père de Mélusine a rompu le tabou qui consistait à refuser de voir sa femme au moment des douleurs de l'accouchement. Voilà. Alors on n'est pas du côté du bain menstruel, mais on est quand même du côté d'une des fonctions probablement interdites de la vision de la féminité. Là, nous sommes même, je dirais, même plus du sang, puisque, disons, dans le Deutéronome, dans le Lévitique, c'est clair, le sang de l'accouchement a la même valeur d'impureté que le sang menstruel. Donc là, en effet, tous les récits, on retrouve ce tabou très fréquemment d'assister à une naissance, tous ces récits donc. Alors, cet interdit qui porte sur la génération précédente. Et qui explique d'ailleurs pourquoi Mélusine est mi-femme, mi-animal. Voilà. Puisqu'elle a puni ensuite son père d'avoir rompu le tabou, c'est-à-dire elle punit beaucoup plus tard son père d'avoir vu sa mère au moment de l'accouchement, en le faisant enfermer dans une montagne, et elle est punie à son tour, voilà. Etc., etc. Alors, elle est avec deux sœurs, il y a une naissance triple. Et dans le cas de Mélusine, dans le cas de Précine, sa mère, le sentiment que j'ai, c'est qu'elle aurait pu rendre ses enfants, dans le mythe, elle aurait pu rendre ses enfants immortels. Si elle n'avait pas été surprise ainsi au moment de l'accouchement. Et pour les rendre immortels, il fallait les faire entièrement participer. Vous voyez qu'on est dans une perspective pas du tout chrétienne, antichrétienne. Les faire entièrement participer de l'animal immortel par excellence, le serpent. Puisque le serpent, c'est l'immortalité. Le serpent est capable de retirer sa peau, de rajeunir. Vous voyez que là, c'est une perspective qui ne peut pas être comprise au moment où le récit est repris à l'époque médiévale. Pourquoi n'est-elle pas comprise ? Parce que les premiers récits relatifs à Mélusine à l'époque médiévale, 12e siècle, on nous dit qu'il aperçoit sa femme renouvelant l'antique alliance de la femme et du serpent. Et bien entendu, dès ce texte-là, qui est un texte d'un théologien, il y a condamnation de l'immortalité qui nous serait procuré par le serpent. Mais je crois qu'il faut remettre, disons, le texte dans son contexte mythique et, en quelque sorte, l'inverser. Alors, elle aurait pu, soit, comme dans les mythes grecs, brûler entièrement les impuretés de l'homme, mais il ne faut pas la guetter, il ne faut absolument pas essayer de la voir à ce moment-là, et elle aurait pu accoucher entièrement d'un serpent, c'est-à-dire de quelque chose qui participe de l'immortalité. Malheureusement, elle est interrompue. Et étant interrompue, elle va créer un être double, que l'on retrouvera jusqu'au bout. Cet être double qui ne participe ni entièrement, soyons clairs, de l'immortalité des serpents, ni entièrement des hommes qui sont mortels,
Et cet être double, c'est la dragonne. Enfin, dans la version christianisée de Mélusine, c'est quand même, il y a quand même l'idée que grâce à l'amour d'un mortel, Raymondin, Mélusine va devenir elle-même mortelle. Et l'immortalité, dans ces versions médiévales de Jean d'Arras et Coudrette, est plutôt perçue comme quelque chose de négatif. Ah non, je crois que le texte est clair. Si son mari accepte de ne pas la voir, là, c'est considéré comme une malédiction, puisque nous sommes dans un contexte chrétien. Si son mari accepte de ne pas la voir, elle pourra retrouver entièrement une âme chrétienne. Et là, nous sommes... Alors, je crois que le plus beau texte parallèle, qui pour moi est une splendeur, qu'on oublie généralement, c'est La petite sirène d'Andersen. Bien sûr, puisque La petite sirène d'Andersen, elle est immortelle au départ. Là-bas, très loin, au fond de la mer... Elle est immortelle. Et la sorcière lui dit, tu veux devenir à tout prix femme. Tu vas beaucoup souffrir. Et si vraiment un homme accepte de rester avec toi, mais finalement, vous savez que ça se passe très mal, parce qu'elle a en même temps abandonné sa voix. Et je crois que c'est uniquement par, parce qu'Andersen aimait bien les belles fins, qu'on a, à la fin de La petite sirène, l'accueil au ciel, et la petite sirène qui disparaît comme écume, mais dont l'âme est recueillie au ciel. Quelle est cette image de Mélusine dans son bain, en train de faire tournoyer l'eau? Et il y a tout de même une critique qui m'a été souvent faite. Quand on propose la théorie mensuelle ou menstruelle du bain de Mélusine, c'est-à-dire, oui, tous les samedis, ça fait quand même beaucoup. Alors, tous les samedis, ça fait quand même beaucoup. Pendant longtemps... J'essaie de me défendre en disant « mais samedi, c'est le sabbat, à l'origine c'était quelque chose de lunaire, et après tout... » Alors, tous les samedis, elle fait quelque chose qui ne doit pas être vu. Elle, si vous voulez, moi je dirais presque, puisqu'elle est diabolique, elle transgresse, si on peut dire, le sabbat, et en même temps, elle transgresse le Shabbat. Dans le récit biblique, le premier interdit de la transgression du repos sabbatique qui soit puni concerne le feu. On rencontre un homme qui était allé dans le désert, qui avait pris deux morceaux de bois. Et puis, le jour du sabbat, on ne sait pas que faire. Moïse consulte Yahvé, qui lui dit, il faut le lapider, il est lapidé. Oui, mais enfin là, en l'occurrence, alors, Mélusine, c'est plutôt l'eau que le feu. Voilà, alors, le problème, c'est que Mélusine, c'est plutôt apparemment l'eau que le feu. Heureusement, disons que Dumézil a beaucoup écrit sur les traditions indo-européennes où le feu jaillit de l'eau. Le feu jaillit d'une eau tumultueuse et d'une eau circulaire, d'une eau qui tourne et là le feu est au fond de l'eau. Vous voulez dire par là que la serpente Mélusine serait une sorte de salamandre? Alors, une femme du feu, une fée du feu. Alors voilà, moi l'hypothèse que je pose, mais il faudra bien sûr le reprendre tranquillement, longuement, c'est que une fois par semaine, le feu est éteint et la femme doit le rallumer. Alors, si nous admettons que Mélusine est bien le feu, déjà le nom lui-même, dans la mesure où on a quelques rapports avec la lumière, c'est clair. Deuxièmement... Comment ça, quelques rapports avec la lumière? Vous voulez dire l'usine? La mère de la lusine. La mère de la lumière. Lucine. La mère de la lumière. Comment mieux appeler le feu que mère de la lumière?
Enfin, vous savez qu'on a donné une autre étymologie au nom de Mélusine. Oh, non, mère on n'a pas donné une. Il y a plus, sûrement, si on faisait le bilan, plus de 70 étymologies. La mère de Lieuse, de l'arbre appelé Lieuse. La mère de Lusignan, Lucina. La mère de la lune, dans la mesure où Lusine veut dire la lune en arménien. La mère, vous savez, alors là, il y en a eu, je crois qu'il y a peu de... La mère de la clairière, après tout. Hein. La Comment clairière aussi, en latin, la clairière, les Lucaria, hein. Elle apparaît dans une clairière. Il y a une fête extraordinaire à Rome qui s'appelle la fête des clairières, des Lucaria. Pour revenir au feu, on a quand même des récits populaires, très nombreux, concernant une femme serpente qu'on appelle la vouivre. Donc, récemment, j'étais au bord de la Loue, aux sources de la Loue, encore maintenant, on raconte volontiers, de manière plus ou moins élaborée, l'histoire de la guivre ou la vouivre. Alors, la vouivre, c'est une vipère. La Loue. Ah, la Loue en Franche-Comté. Franche-Comté, dans le cœur de la Franche-Comté. La vouivre, c'est donc une femme serpente énorme qui a sur, au niveau de la tête, une escarboucle. Et cette escarboucle est tenue assez curieusement comme un œil au bout d'un pédoncule et elle éclaire la nuit. Lorsque la vouivre va se baigner, elle laisse son escarboucle au bord de la Loue. Et un pêcheur, un bûcheron, plus hardi que les autres, se saisit de l'escarboucle et parfois même se brûle les mains avec l'escarboucle. Cela lui apporte le bonheur jusqu'au jour où il s'en vante et généralement c'est la fin de toutes les richesses qu'il avait obtenues ainsi. Alors le nom même d'escarboucle est intéressant d'abord parce que bien sûr c'est une pierre précieuse, mais c'est une pierre précieuse qui est un charbon ardent. C'est, si vous voulez, un tison. Le nom même, carbunculus, c'est le charbon. Alors, en conclusion, Claude Guéniobé, quels seraient les attributs les plus essentiels de Mélusine pour son destin mythique? Moi, je dirais que Mélusine tourne dans l'eau. Elle virevolte dans l'eau, dans une cuve. Elle est donc elle est productrice du feu situé au fond de l'eau. D'autre part, elle brasse par ce mouvement même un peu de feu. Et ce feu, c'est l'équivalent de ce que l'on obtient quand on brasse les boissons d'immortalité. Donc, je donnerai une grande importance, assez curieusement, à ce mouvement au serpent lové. Mélusine, c'est le serpent lové qui produit le feu et cette part de feu qui est dans tout alcool, on va appeler l'eau de feu plus tard, cette part de feu qui est dans tout alcool et qui nous permet de participer de l'immortalité. Voilà, après bien des années de méditation sur Mélusine, je l'ai même poursuivi jusque sur les pentes de Montserrat. Car vous savez que Mélusine va à Montserrat. Il y a des récits passionnants à Montserrat relatifs à Mélusine. Donc voilà à peu près la façon dont je relirai et relierai Mélusine après tant d'années.